today, bye bye.
Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de nous installer pour pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour ce conseil municipal du 21 mars 2023. Nous sommes à l'espace Maurice Béjart, comme d'habitude retransmis en direct et avec du public. Ce soir pour commencer, je vais me permettre de faire l'appel rapidement. Donc Fabien Fréchère est là, Olivier Melsens est là, Ida Gontier est représentée par moi-même, Paul Malret est à ma droite, Louisette Fédière est présente, Michel Debjet également, Marie-Claude Bourdon-Benamou également. Carole Godard également, Olivier Lugic est là, Eugène Dalle est ici, Socrate Gabrielides est là, Philippe L'Enfant est présent, Abderrahim Chaboun est présent, Caroline Pissica, représentée, il faudra juste envoyer le pouvoir du coup, pas de souci. Catherine Charuel est présente, Georges-Édouard Bacle est donc présent, Rania Slim présente, Anthony Herry est présent, Maria da Silva Parota est présente, Sophie Garek est présente, Nina Rejdal Urteli arrive, Cyril Ofrechter est présent, Pascal Dehay est représenté par Julien. Julien Fréjabu est donc présent, Philippe Lussault est présent, Fabien Nuard est présente, Fabien Lemoine également, Blaise François Dainville est donc présent, Jean-Marie Moreau est représenté, je crois, par M. Dainville, Myriam Leblay est présente, pardon, Christian Lelièvre est présent, Nadia Benalla a donné pouvoir à Cyril Ofrechter et Thierry Huret est donc présent. Ce soir, nous allons donc, dans l'ordre, commencer par désigner un secrétaire de séance et je laisserai Paul Malret aux manettes. Et je vous propose, avant de passer aux choses sérieuses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 31 janvier 2023 ? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à en dire. On peut partir du principe qu'il est approuvé ? Je le considère donc approuvé. Et en ouverture de ce Conseil municipal, je vous propose un moment que nous vous avions promis, à savoir une ouverture de séance faite par les jeunes du Conseil municipal des jeunes, le CMJ, qui vont donc dans une seconde, et je vous passe la parole respectivement à Louis, Abigail, Nathan et Valentine pour un petit bilan annuel du Conseil municipal des jeunes. Et j'en profite au passage pour remercier bien entendu Kevin et les services pour la bonne organisation de ce Conseil municipal des jeunes. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir et une grande fierté d'accueillir ce soir en introduction le Conseil municipal des jeunes, donc du CMJ. Ils sont venus présenter leur bilan 2022 et leur projet 2023. Vous verrez qu'ils ont déjà fait beaucoup de choses. J'en profite pour les remercier, mais pour remercier l'équipe jeunesse qui les accompagne, donc Julien, Kevin ici présent,
Cécile et Nicolas, je leur laisse la parole à présent. Le CMJ a été inauguré le 12 mars 2022 en présence de la secrétaire d'État et de la jeunesse et de l'engagement, de la députée Michèle de Vaucouleurs et du sous-préfet Gérard Derouin. Le conseil municipal des jeunes regroupe 20 jeunes du CM2 à la 3e et maintenant de la 6e à la 2e. Et nous avons été sélectionnés en remplissant un dossier de candidature. Nous avons fait deux groupes. Un de protection de l'environnement, de cadre de vie et de festivités, et un de citoyenneté, d'intergénérationnel et de solidarité. Nous avons fait des commémorations, des événements et des projets. Nous avons participé à l'armistice de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai 2022. Nous avons déposé des gerbes de fleurs en présence des élus municipaux et des anciens combattants. Et nous avons aussi participé à l'armistice de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 2022. Nous avons également déposé des gerbes de fleurs et nous avons chanté la Marseillaise. Nous avons participé à des événements municipaux, dont les fêtes de Verneuil. Nous avons décidé de présenter un stand de sensibilisation sur le thème de l'écologie, dont présenter la notion de jardinier urbain. Ce sont des jardins collectifs pour les habitants. Nous avons donné des pieds de tomates. Nous avons participé à la cérémonie de remise des récompenses au CM2. Nous avons écrit et lu un discours d'encouragement pour les futurs collégiens. Nous leur avons remis un porte-clés avec inscription « Respect et bienveillance ». Nous avons inauguré la salle Marie-Amélie Le Fur. Nous avons écrit et lu un discours en présence de Madame Le Fur et des élus municipaux. Nous avons participé à la semaine contre le harcèlement scolaire. Nous avons financé le spectacle de théâtre Parlons harcèlement à destination des CE2 CM1. Nous avons remis un badge Stop au harcèlement à tous les CM2. Nous avons participé à la journée des familles. Nous avons mis en place un arbre à souhait qui consiste à ce que les habitants écrivent un souhait et le mettent sur l'arbre. Nous avons expliqué nos démarches auprès des visiteurs et l'arbre a été exposé dans le hall de la mairie. Le CMJ a aussi participé à d'autres événements municipaux, comme le marché de Noël en décembre. Nous y avons installé un stand de Furoshiki. C'est un papier cadeau en tissu recyclable. Nous avons aussi un autre stand dédié à la création de bougeoirs à destination des résidents de la RPA de la Pierre. Nous avons construit des bacs de récupération de stylos usagés. Nous les avons construits en partenariat avec les écolibris. Les stylos seront récoltés pour fabriquer des bancs et des tables. Les bacs de collecte seront installés dans les écoles pour récupérer les feutres et les stylos usagés. Le CMJ a aussi ses propres projets créés tout seul. Notamment l'exposition de la journée des droits de l'enfant durant le 22, 24 et 25 novembre dans l'espace jeune. Nous avons fait une exposition à disposition des classes de CM1 et CM2 de la ville. Le 23 novembre, nous avons déplacé l'exposition à la salle Michel Rocard.
Nous y avons organisé des activités autour des droits de l'enfant. Nous avons fait ce projet pour sensibiliser les enfants, pour qu'ils sachent leurs droits en tant qu'enfants et leurs devoirs et leurs interdictions. Nous avons aussi participé à un projet intergénérationnel auprès des résidents de la RPA de la Pierre. Nous avons partagé leur dessert de fin d'année. Durant ce dessert, nous leur avons offert les bougeoirs qu'on leur avait confectionnés lors du marché de Noël. Et on a aussi passé un moment à discuter avec eux sur divers sujets. Je vais donc passer la parole à Louis. Alors, pour commencer, déjà, bonjour à tous. Et comme l'a dit Nathan, au cours de notre mandat, nous avons organisé déjà de nombreux projets, notamment le projet d'installation piéto. Donc, les piétos sont des structures métalliques qui servent à sensibiliser les automobilistes et à les prévenir qui sont proches des écoles et du coup ralentir. Nous avons également participé à un projet intergénérationnel auprès des résidents de la RPA de la Pierre pour notamment lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc, nous avons organisé dans le cadre de la Chandeleur, nous avons cuit des crêpes, puis nous les avons mangées avec les résidents. Donc, c'était un super moment convivial. On a pu discuter, manger, jouer. Puis, c'était très enrichissant. Nous allons aussi organiser un projet de sensibilisation au sport paralympique pendant la semaine olympique et paralympique du 3 au 7 avril. Nous avons organisé un événement le mercredi 12 avril. Donc c'est une initiation au sport paralympique. Également une collaboration avec Handisport Yvelines pour la mise en place des ateliers sport adaptés. Et nous allons animer un atelier autour de l'esprit et de la présentation des sports paralympiques pour l'accueil de loisirs de Janzé et pour l'espace jeune. Pour continuer sur les futurs projets et les futures actions du Conseil municipal des jeunes, il y a notamment une participation aux fêtes de Verneuil, donc du 3 au 4 juin. Un projet autour du sport, de la nutrition pendant la fête du sport le 24 juin. La commémoration de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai, comme l'a dit Abigail. Une participation à la prochaine cérémonie des récompenses au CM2, comme l'a dit Valentine. Merci beaucoup. Un grand merci. Je pense que, de manière claire, vos engagements sur l'écologie, mais également sur l'inclusion, la solidarité et puis sur l'ouverture à la ville ont une résonance déjà importante pour la ville, mais en plus particulière aujourd'hui, en cette journée nationale, vous le savez, de la trisomie. C'est en tout cas des messages forts que vous nous portez, que vous portez auprès des jeunes, et bien entendu, on tient vraiment à vous féliciter, à vous remercier, et on espère vous retrouver, pas seulement vous, mais vous et sans doute des nouveaux membres du Conseil des jeunes très bientôt, puisque, sauf erreur de ma part, après l'été, nous aurons l'ouverture des inscriptions pour la deuxième édition de ce Conseil municipal des jeunes. En tout cas, vraiment l'occasion de vous remercier et encore une fois de vous applaudir. Je propose de suspendre une minute la séance, le temps que vous puissiez reprendre les places dans le public et puis laisser venir les élus reprendre leur place afin que nous puissions commencer les restes des délibérations du Conseil municipal. Merci.
Allez, je vous propose de rouvrir la séance pour pouvoir attaquer les délibérations du conseil municipal. Je pense que c'est un moment important de pouvoir ouvrir ce conseil municipal avec le conseil municipal des jeunes. Et désormais, je vais vous proposer d'aborder des sujets qui sont plus techniques, avec d'abord des premières délibérations relatives aux services techniques que je vais me permettre de présenter, avec une première délibération relative à une demande de subvention au titre de la DESIL 2023, la dotation de soutien à l'investissement local. Il s'agit d'une demande qui concerne d'abord la rénovation énergétique des toitures de Béjart avec la pose de panneaux photovoltaïques, et puis de la même manière la rénovation énergétique avec pose toujours de panneaux photovoltaïques du gymnase Coubertin. Ce dispositif, vous le savez, s'inscrit dans une enveloppe régionale qui s'élève à 72,4 millions d'euros. Et l'objectif est de capitaliser sur ces enveloppes afin de pouvoir rénover respectivement ces deux infrastructures. On est sur des montants qui sont évoqués de toute manière dans les délibérations. Un montant prévisionnel pour Coubertin de 947 203 euros et pour l'espace Maurice Béjart de 344 882 euros. Avec à chaque fois, évidemment, des montants qui ne peuvent pas légalement dépasser les 80% de subvention. Mais du coup, nous demandons naturellement ces 80%. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur cette première délibération. De toute manière, il s'agit d'une demande de financement et nous vous tiendrons évidemment au courant si nous les obtenons. Je vous en prie, Monsieur Lussot. Moi, j'ai une remarque. J'étais à la commission urbanisme. Alors, malheureusement, j'ai eu un problème technique. J'ai eu 5 minutes de retard et j'étais assez étonné de voir que la commission était terminée. Ces deux dossiers qui sont super intéressants, enfin des dossiers intéressants, et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas eu de débat ou d'explication des dossiers, alors que potentiellement il y avait des questions sur ces dossiers-là. Alors, excusez-moi, mais c'est moi qui ai présidé la commission. Elle a en effet duré 6 minutes, mais parce qu'il y a eu des questions de M. Moreau, pardon. Il y a eu deux questions de M. Moreau, mais après, personne n'avait d'autres questions. Et comme nous avions le quorum, du coup, nous avons enchaîné. Mais je vous en prie, si vous en avez, non, c'est l'occasion. Non, on ne va pas le faire là, parce que c'est le rôle de la commission, ce n'est pas le rôle du conseil municipal. Donc, on va faire les actions dans les bons lieux et pas dans les mauvais. M. Moreau, ce que j'ai vu dans le compte-rendu, c'est qu'il a posé une question justement sur... il a voulu poser des questions et la réponse qu'on lui a donnée, c'est que tout était dans le dossier. Bon, voilà. Donc c'est juste en arc de forme. Ensuite, moi j'avais des questions sur les subventions. Donc là, on demande des subventions à hauteur de 80%. Est-ce qu'on est certain d'avoir ces 80%? Et si on ne les a pas, c'est-à-dire que vous avez provisionné... il se passe quoi si on n'a pas les 80% de subventions? Alors d'abord, pour savoir ce qu'on aura, c'est l'arbitrage de la préfecture. Donc je ne vais pas m'avancer sur les montants. Nous, on demande le maximum, comme sur tous les dossiers de subventions. Et ensuite, la préfecture accorde ce qu'elle veut bien nous accorder. Évidemment, pour ma part, j'espère qu'on aura le maximum. Mais évidemment, de toute manière, il s'agit de refaire ces toitures à terme. Et par conséquent, une fois que nous aurons la réponse de la préfecture, nous aurons l'occasion évidemment de rajouter déjà le complément, parce qu'on n'aura pas 100%, et dans la foulée, de compléter également sur ce qu'on n'aura pas eu, le cas échéant, ce que je n'espère pas. Mais il s'agit évidemment de toute manière d'investissements nécessaires. Oui, Madame Huard. Je complète la question de Monsieur Lussot. Il y a un reste à charge de 600 000 euros pour la commune. Et comment on a, où sont les études, justement, on ne les a pas trouvées dans le document, sur à partir de quand on aura rentabilisé cet investissement? Alors, pour le coup, je ne suis pas technicien, mais vous pouvez poser la question directement à la directrice des services techniques. N'hésitez pas, elle aura les études à vous passer. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas technicien, mais si je puis me permettre... sur l'état des toitures, sans être technicien, ils sont bien percés, notamment Coubertin, où il y a des fuites d'eau. Et sur la rentabilité, de toute manière, c'est aussi, bien sûr que c'est quelque chose qui est recherché. Et au-delà, la pose de panneaux photovoltaïques sur ces deux infrastructures étaient des conditions pour pouvoir prétendre à ces subventions. Et donc nous nous y plions, en plus c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose de toute manière que vous verrez fleurir dans de très nombreuses communes du fait de cet impératif posé par la préfecture. À partir de combien d'années, sans gagner d'argent, mais l'amortissement de cet investissement. Et voilà. Je laisserai les services techniques vous revenir. Oui, ou faire des commissions plus longues la prochaine fois. Excusez-moi, j'ai répondu à toutes les questions de la commission. Monsieur Moreau, que tout était dans les documents, mais a priori, non, n'était pas dans les documents. Excusez-moi, je vous laisserai relire le compte-rendu de la commission. Donc, c'était sur une question précise. Et je lui ai répondu de manière précise également, c'était pas tout est dans les documents de manière générale. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? J'ai un autre. Il faut appuyer sur le bouton gris.
charge, ça, c'est une construction qui a 30 ans. Et on refait déjà l'isolation, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez amener des charges et des voiles sur la toiture. Et ça implique, j'ai lu dans le dossier, effectivement, un renforcement de la charpente. Donc c'est un chantier quand même assez colossal et qui coûte quand même, au regard du bénéfice, ou plutôt au regard du prix réel des panneaux photovoltaïques, représente un très gros pourcentage. Et ça, ça me surprend qu'on aille poser sur une toiture comme celle-ci, quoi. Voilà. Ben, en fait, pour vous répondre, ça explique tout simplement le pourquoi l'équipe précédente, lorsqu'elle avait prévu les travaux de Béjart qui ont déjà été réalisés, ne l'avait pas inclus et tout fait d'un seul coup. Parce que les travaux avaient déjà été envisagés, ils avaient déjà été budgétés, et vu les enveloppes, ce n'était pas gérable. Et c'est dans ce contexte-là que cette année, nous avons l'opportunité, via ces demandes de subvention, de pouvoir faire ces travaux. Mais tout avait été imaginé avant même notre arrivée. La réalité, c'est que là, nous avons une opportunité en capitalisant sur ces demandes de subvention. Et j'en profite pour glisser que les demandes de subvention de mon côté sont prioritaires pour la ville afin de financer ce type de projets qui sont de toute manière importants. Vous savez qu'à Béjart, où nous sommes actuellement, typiquement, nous avons des fuites d'eau importantes sur la Seine. Quand nous avons des artistes qui jouent, c'est pas possible. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas finançable. Grâce à ces subventions, cela va l'être. Oui, j'ai vu une main levée. J'ai une dernière remarque de forme. Si j'ai bien compris, les dossiers devaient être déposés avant le 10, la commission étant le 15. Alors c'est déjà arrivé par le passé qu'on ait des commissions qui se passent et qui font valider une décision du maire pour un dossier qui est déjà déposé. C'est assez désagréable quand on est élu d'opposition. Donc on avait dit que ça ne se produirait pas souvent. Donc je mets un vœu pieux. A priori ça ne marche pas vraiment parce que depuis le temps qu'on le demande, ça se reproduit. Mais ce serait bien de faire en sorte qu'on voit les décisions et les dossiers avant le dépôt des dossiers. Eh bien, vous me tendez une perche magnifique, sûrement. Parce qu'en fait, c'était exactement la question de M. Moreau de savoir si ces dossiers avaient été déposés. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Oui, c'était dans le dossier. Et par ailleurs, je me suis permis de le dire, qu'en effet, c'était exceptionnel, puisque c'était des dates qui étaient très limites. Et voilà, et je sais bien. Alors, sur les dates limites, je pense qu'on n'a pas appris le 9 au soir qu'il fallait déposer le dossier le 10. C'est des dossiers qui demandent un peu de travail, donc c'est du long terme. J'ai un peu de planification aussi, parce que vous parlez de choses qui s'étaient faites avant vous. Donc, je pense qu'on n'a pas découvert le jour pour le lendemain. Donc, ce serait bien, à 5 jours près, d'organiser les choses pour que ce soit dans le bon ordre. Noté. Oui. Je complète la question de M. Lelief parce que la précédente mandature, comme vous avez dit, avait déjà fait les pignons de Coubertin. Et à quel moment, finalement, on nous présente aussi une étude sur entre la rénovation et l'isolation plutôt que la reconstruction pour faire des choix éclairés à un moment donné et des investissements judicieux à la fois pour le confort, la modernité, l'accessibilité d'un gymnase qui peut peut-être être obsolète en ce moment. Je pense que cette commission, ce n'est pas la commission urbaine, mais vous pouvez carrément la poser en commission finance parce que c'est un enjeu financier qui est démentiel. Oui. Malheureusement, c'est impossible de détruire. On a regardé, évidemment, mais là, ça multiplie par 10, 100. Destruction et reconstruction, c'est malheureusement pas envisageable. C'est un sujet qui peut être traité en urbain aussi. Quoi. Mais bien sûr. Oui, je vous en prie. Une question, parce que souvent ce qu'on regarde et souvent ce dont on parle, c'est l'efficacité de la dépense publique. Et donc, ce qui pour nous est important, c'est qu'une dépense soit effectuée avec un objectif et que l'on puisse vérifier que cet objectif soit atteint. Et ce qui nous gêne, en fait, dans cette proposition, c'est qu'on n'a pas l'objectif, en fait, d'économie qui est visé, l'objectif d'isolation qui est visé. Et comment on s'assure que ce montant qui est quand même très conséquent, même avec une subvention, parce qu'une subvention, il y a toujours quelqu'un qui la paye quelque part, comment on s'assure que l'objectif est atteint? Alors l'objectif, comme je vous le disais, avant d'être un objectif énergétique, puisque les sujets énergétiques, on ne va pas se le cacher, sont des sujets dont on évoque maintenant, post-contexte ukrainien, mais entre nous, ce n'est pas un sujet dont il était vraiment question à cette hauteur il y a 5-6 ans. Mais la réalité, c'est qu'il y a des trous dans les deux toitures. Donc la première obligation, c'est de la refaire. Et le problème, c'est que refaire la toiture, ça coûte très cher. Donc nous, les objectifs complémentaires énergétiques sont liés simplement, d'abord à notre politique bien sûr, mais aussi à la demande de subvention. Mais l'urgence, avant de faire des économies énergétiques, c'est boucher les trous. Nous avons sur Béjart, où nous sommes, des genres de tuiles de zinc qui sont percées.
Et aujourd'hui, on met des sceaux et c'est pas comme ça qu'on accueille des artistes quand on a la chance d'avoir à Béjart. Je maintiens que je pense qu'il faut qu'il y ait un objectif qui soit fixé au sein de la délibération. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Combien même ça couvre pas tout pour ce qui peut être couvert, je crois que ça permettrait de savoir vers où on va et de mesurer après l'efficacité de la dépense publique. Voilà. Bien noté, de toute bien manière. Que c'est un sujet global. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Sinon, je vous propose de le mettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer à la deuxième délibération. La deuxième délibération est relative à une nouvelle demande de subvention, cette fois-ci au titre du Fonds vert, pour les projets de végétalisation des cours Dolto et Cosma. De la même manière, il ne s'agit pas de toute manière de dépenses qui n'étaient pas prévues. Ce sont des choses qu'on a déjà eu d'ailleurs l'occasion de vous présenter en conseil municipal. Mais à l'occasion de la création de ces enveloppes régionales qui, pour l'année 2023, s'élèvent à 18,6 millions, eh bien, nous avons la possibilité de faire cette demande qui pourra concerner donc deux écoles maternelles. Alors, deux écoles maternelles, mais pas que, puisque vous savez qu'à Dolto, nous avons également l'accueil de loisirs et la crèche. Je me suis permis d'afficher à l'écran deux visuels, mais ils ne valent pas copie non conforme, on va dire, que c'est juste des schémas de travail. Et l'objectif est exactement de la même manière, d'essayer de capitaliser sur la création de ces fonds pour pouvoir subventionner nos projets. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, peut-être juste avant vous préciser de manière transparente les montants dont il s'agit. Il s'agit pour les deux cours d'un montant de 779 225,29 euros. Et donc toujours une demande à hauteur de 80% de subvention demandée. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Une remarque qu'on a déjà fait pour les précédents cours, il y a toujours beaucoup d'enrobés et pas beaucoup de végétalisation à part assez artificielle. Donc c'est dommage de ne pas aussi essayer de proposer ou présenter ou soumettre des projets avec des cours un petit peu plus en terre. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule cour qui a été faite, hein, c'est Chemin Vert. Oui, vous donnerai les pourcentages de végétalisation. Vous avez tout l'arrière qui a été végétalisé. Oui, mais le devant peut l'être aussi. Il y a pas de... Je vous laisserai échanger avec les professionnels de l'école pour vous expliquer la limite. Je vous en prie, Monsieur Bacle, il y avait une main levée. La limite s'attache au pantalon. En fait, c'est une question qui a été posée sur la délibération numéro 1, mais c'est exactement la même. Vous avez dit la délibération, c'est adopte l'avant-projet de végétalisation, sollicite le montant à hauteur de 80% et, ce qui est intéressant, s'engage à financer l'opération sur ses fonds propres. Donc, est-ce que ça veut dire que si, dans l'hypothèse où la région ne nous subventionnerait pas, 100%, non mais... La question. La réponse est évidemment oui. Tous les projets que nous portons, nous allons les financer d'une manière ou d'une autre, soit sur fonds propres, soit via d'autres subventions. Mais l'objectif est évidemment de capitaliser sur les subventions pour financer nos projets, par contre. Oui ? Marche là ou pas ? Un petit commentaire complémentaire. Là, on parle de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros d'investissement pour deux toitures et deux cours d'école. Donc, je rejoins l'interrogation de nos collègues, hein, c'est qu'effectivement, si on peut bénéficier de subventions, quand bien même ce sont des fonds publics hein, qu'on paye tous, tant mieux. Mais si on n'a pas ces 80% de subventions, aujourd'hui, vous êtes prêt à engager 2 millions d'euros sur ces quatre projets. Vous savez, on n'est pas obligé de les poser sur la table immédiatement. On peut étaler. D'ailleurs, ce sera forcément le cas, puisque je ne m'attends pas à ce que les choses puissent être faites immédiatement. Mais cela dit, ça ne coûte rien d'essayer d'avoir les 80% de subvention. Ah, si je suis d'accord. Ok. Mais si vous ne les avez pas, c'est un autre sujet. Bien sûr. Mais vous savez... D'autant qu'on est sur le même sujet que le premier, c'est-à-dire qu'on devait déposer les dossiers au 10 mars et que du coup, absolument, on se voit. Je rebondis. Et la même réponse. Je vais rebondir tout à l'heure, oui. Mais on aurait peut-être pu anticiper un conseil éventuellement. Même réponse. Même réponse, mais même question. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vous propose de passer aux voix. Qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à une délibération relative au marché public avec l'attribution des trois lots de marché d'entretien et de travaux neufs des espaces verts de la ville de Verneuil-sur-Seine. Bien. Donc le marché comporte deux types de prestations pour tous les lots, des prestations d'entretien courant et des prestations occasionnelles. Trois lots. Donc le premier lot consiste en une requalification durable des parcs et jardins ornementaux. Ça concerne notamment Parc Saint-Martin, Champs-Clos, Cimetière, un certain nombre d'espaces végétaux.
Le deuxième lot concerne l'entretien durable et la requalification des espaces verts, des dépendances parcs et espaces naturels. Ça, il s'agit plutôt des espaces verts communaux qui sont dispersés de moindre importance, mais qui sont dispersés un peu partout dans la ville. Et le troisième lot, c'est l'entretien des jardins familiaux et espaces paysagers du parking. Le premier lot a été estimé par les services techniques à 97 750 euros hors taxes par an. Le second à 169 050 hors taxes, toujours par an, et le troisième à 35 192 hors taxes par an. À ces trois lots s'ajoutent des prestations occasionnelles avec des seuils maximaux donc de 20 800 euros pour le lot 1, 33 300 euros pour le lot 2, tout ça hors taxes, et pour le lot 3, 4 700 euros hors taxes. Le marché est conclu pour une période initiale d'un an qui sera reconduit d'une année sur l'autre. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3 et la durée de chaque période de reconduction est de 1 an. 13 plis ont été déposés, dont un en double, et ont été remis dans les délais. Une analyse des offres a été effectuée par les services techniques et au vu de cette analyse des offres, les membres de la commission d'appel d'offres ont choisi lors de la séance du 15 mars 2023 le lot 1 pour la requalification et entretien durable des parcs et jardins ornementaux, la société la jardinerie Témar, pour un montant de 99 342 euros hors taxes. Pour le lot 2, la société Eden Vert pour un montant de 120 645 euros hors taxes. Pour le lot 3, l'entretien des jardins familiaux et espaces paysagers du parking, la société ID Verde pour un montant de 17 388 euros hors taxes. Tous ces choix sont en retrait par rapport à l'estimation qui avait été faite par les services techniques. Et ça représente donc une économie conséquente pour la commune par rapport à l'estimation initiale. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Oui, monsieur Lussault. Oui, j'ai juste une remarque. Alors, c'est moins élevé que ce qu'on avait imaginé, ce qui est quand même pas mal. Par contre, ce n'est pas une économie pour la municipalité, parce qu'aujourd'hui, on a plus d'espaces verts. Qu'on ait une politique assez volontariste sur le sujet. Donc il faut avoir conscience qu'avoir une politique volontariste, c'est bien, mais ça coûte globalement plus cher en termes d'entretien. On est presque à x2 par rapport au contrat précédent, au total. Voilà. Absolument, mais pour le coup, je pense mais c'est un choix, je pense qu'on est d'accord, on assume. Je suis d'accord. Et si vous voulez, j'ai un chiffre qui vous amusera. C'est que pour regarder un petit peu, par exemple, si vous prenez le CTC de Chanteloup, qui recoupe toutes les communes, dont Verneuil et l'ancienne CA2RS, pour simplifier, de mémoire, c'est 80% de l'espace vert traité par le CTC qui est à Verneuil, parce que nous sommes la ville la plus verte du secteur. Ce qui est sans surprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Oui ? Oui, je regarde ce kiosque et je le vois, il est construit et franchement, il ne me convainc pas. Attendez, c'est la délibération suivante. Ah bon, d'accord. C'est allez, parce que c'est parce que je le on y vient, là. On y vient. Apparemment, il ne va pas convenir, mais on va d'abord passer cette délibération. Allez, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions. J'en déduis que c'est adopté. On y arrive donc à l'avenant numéro 1 au lot numéro 1 du marché des travaux pour l'aménagement d'un kiosque qui ne plaît pas à M. Naville et de ses abords au parc Saint-Martin. Paul. Bon, alors, je ne sais pas si... J'y suis. Donc, aujourd'hui, la passation d'un avenant est nécessaire pour le lot numéro... Alors, en fait, il y avait trois les prestations de cette procédure ont été attribués avec les montants suivants. Maçonnerie pour 141 964, espace vert pour 28 691 euros hors taxes et le kiosque pour 123 613 euros hors taxes. Un avenant est nécessaire pour le lot numéro 1 afin de prendre en compte les modifications en plus-value et en moins-value décomposées comme suit. Remplacement des pavages anciens
enherbé par du stabilisé renforcé pour un montant en moins-value de 8 880 euros. Donc ça, c'est plutôt en déduction de ce qui était prévu. Et réalisation de travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la mise en sécurité de la plateforme pour pose de la charpente suite au basculement de la nacelle pour une plus-value de 8 368 euros hors taxe. Ce qui aboutit donc globalement à un montant total de l'avenant de moins 512 si on fait la somme algébrique des deux, de la plus-value et de la moins-value. La date prévue, mais là, elle est déjà passée, pour la fin des travaux, était le 3 mars 2023. Allez, s'il y a des questions, monsieur David, allez-y. Dites-nous ce qui ne vous plaît pas dans le kiosque. J'ai juste dit un sentiment, je le vois là, et je passe devant, et il ne me convainc pas, c'est tout. Mais notez. Est-ce que vous, il vous convainc? Ben, je vous dirai ça quand on ira ensemble pour la commémoration prochaine. Vous pouvez nous dire quand même un peu plus. Moi, j'attends qu'il soit terminé parce qu'il n'est pas encore végétalisé. Donc, vous avez toujours un doute à ce stade-là, c'est ça? Ah non, j'attends que ce soit fini. Il y a encore des travaux non finis également sur l'aménagement des monuments aux morts. Moi, je reste persuadé que ça sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Et en plus, la revégétalisation, vous le verrez sur le terrain, est quand même assez remarquable. Monsieur Fréjabi, vous vouliez rajouter quelque chose? Un tour. Vous y avez été? Bien sûr. Moi aussi. Allez. On parle de la revégétalisation, au final, ça aurait pu nous coûter que 35 000 euros. Oui, et alors? Le kiosque ne convainc pas, la revégétalisation convainc certainement, mais pas le kiosque forcément. Mais c'est un projet qui aurait pu nous coûter finalement bien moins cher si on parle de revégétalisation. Bien sûr. Bon, cela dit, ça reste toujours des enveloppes qui sont inférieures à ce que j'ai pu lire sur certains réseaux sociaux. Mais cela dit, 300 000 euros, c'est ce qui est lu. C'est toujours trois fois moins ce que j'ai pu lire ailleurs. C'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Mais quand on y rajoute le parc, ça fait un parc à 1 million d'euros, effectivement. Ça, je suis bien d'accord. C'était peut-être le kiosque une dépense superflue pour les Vernoliens, quand on sait que la végétalisation auquel vous tenez et que vous mettez en avant ne coûte que 35 000 euros. Moi, je laisserai les Vernoliens juger. Une chose est sûre, c'est que on n'allait pas laisser le parc Saint-Martin tel qu'il était. Et je pense qu'aux prochaines commémorations, où nous serons enfin nombreux dans ce parc, puisque post-Covid, on pourra se retrouver nombreux, eh bien, nous aurons tout le loisir de juger au printemps ce qu'il en sera. Mais bon, il ne s'agit là que d'un avenant et pas d'une philosophie sur la beauté ou non du kiosque. Chacun se fera son avis. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pardon, il y a des interventions encore. Si ça veut bien marcher, oui. En fait, bon, on peut débattre du sujet éternellement, hein, c'est pas le sujet, enfin, c'est pas le propos. Forcément, vous allez être pour, d'autres vont être contre. Quand j'étais dans la majorité, je m'étais prononcé contre, on n'était pas nombreux d'ailleurs. Mais au-delà de ça, enfin, la question qui est posée par les Vernoliens, c'est combien ça coûte en fait. La vraie question qui se pose, c'est ça. Alors, aujourd'hui, le Vernolien est un citoyen comme un autre. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde se plaint de la hausse d'impôts. Au niveau national, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les impôts cachés, les impôts directs, les impôts indirects, etc. Et c'est une vraie problématique. Donc aujourd'hui, et a fortiori, on va en débattre tout à l'heure, sur le rapport d'orientation budgétaire, qui commence de la même manière qu'avait commencé celui de la... Oui, on est dans une panade... Excusez-moi, vous êtes tous pressés ce soir. Non, mais attendez, on fera le film tout à l'heure. Ouais, je n'ai pas fini. Mais l'Europe, c'est tout à l'heure. Non, mais je vais y revenir. Attendez, vous savez bien que moi, mes introductions sont longues. Après, il y a toujours une question précise. En fait, ce qui intéresse les Vendéens, c'est combien ça a coûté au global. D'accord? Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais participé un tout petit peu à ce projet. Donc, moi, j'avais une idée, grosso modo. C'est vrai qu'il y a un avenant. Alors, c'est une super... C'est super de dire, bon, c'est 512 euros d'économiser pour les Vernoliens, c'est bien. Mais au global, c'est-à-dire c'est à la fin de la foire qu'on compte les bestiaux. Donc c'est ça qui intéresse les Vernoliens. Eh bien, je vous propose donc d'attendre la fin de la foire, en l'occurrence le moment où le kiosque ne sera plus, puisque vous savez que le kiosque, surtout maintenant qu'il est tout équipé, va nous permettre de faire des sacrées économies sur les événements que nous allons y faire. Et j'aurai d'ailleurs le plaisir de vous inviter tous, puisque nous allons avoir des grands moments musicaux avec l'école de musique qui pourront l'utiliser puisqu'il est entièrement équipé. Et donc, il n'y a pas que de la dépense en investissement, il y a aussi des économies de fonctionnement. Alors, j'adore votre réponse, mais qui vient finalement et qui fait écho à ce que M. François Dainville le disait, à savoir que, bon, moi, c'est quelque chose que je fais dans le privé, mais dans le public, pourquoi pas ne pas reprendre la question de M. Dainville, c'est les projets, combien ils coûtent, combien ils rapportent et sous quel délai. Et c'est vrai que... Non, mais vous m'en priez toujours, mais moi j'ai pas que ce dossier. Donc, mais c'est vous qui êtes aux manettes.
Donc, quelles sont les retombées? Quel est le retour sur investissement? Pas forcément pécuniaire, mais aussi en économie, en social, en... Ben, je vais vous répondre sur le kiosque, en, si je puis me permettre. En qualité de vie, etc. Si je puis me permettre, je vais vous répondre sur le kiosque, parce que vous voyez, vous me demandez les retours sur investissement. Évidemment, je ne vais pas vous rendre des chiffres. Mais par contre, un premier retour sur investissement, bah, c'est le regard de personnes qui n'habitent pas notre ville et qui, voyant le kiosque depuis maintenant le bout de l'avenue, m'ont dit, ah bah, dis donc, la ville, elle bouge, elle évolue et au printemps, ça sera certainement très sympathique. Et bah, attendons le printemps pour juger et d'ici là, nous aurons l'occasion de voir ce qu'il en est. Bien sûr. Allez, est-ce qu'il y a... Oui ? Un tout petit commentaire en plus, je ne parle pas du kiosque. Oui. Je parle du monument aux morts. Ça, oui. Change. Sur ça, je pense qu'on sera tous d'accord. Non, alors, je dirais que c'est enfin un peu mieux que ce que c'était. Ah, bon, on est d'accord. Parce que, à peine vous aviez été élu, vous l'avez balancé dans le parc, dans un foie fond, sous un arbre. Je ne sais même pas si ça a été concerté avec les associations d'anciens combattants. Bien sûr. Ça a été un petit peu surprenant, pour tout vous dire. Là, au moins, c'était il est mieux installé, pour le coup. Bien sûr. On sera d'accord. Allez. Sur cet accord, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer à la délibération numéro 5. Encore une demande de subvention, cette fois-ci auprès de l'Agence nationale du sport dans le cadre du dispositif Plan 5000 terrains de sport. En fait, on a la saison des subventions, tout simplement, et c'est pour ça qu'on remplit tous les dossiers. Et on a besoin pour pouvoir lancer les dossiers des délibérations du conseil municipal. Et je te laisse, Paul, la main. Et c'est une très bonne démarche de pousser sur les subventions parce qu'on en a bien besoin. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter cette subvention pour la création d'un city-stade rue Jean Zay à proximité du stade Régis. En deux mots, hein, le projet consiste à créer un équipement de type city-stade sur l'espace boisé situé en bordure de la rue Jean Zay, tout en préservant la qualité environnementale de l'endroit par un aménagement paysager. Voilà. Le montant de ces travaux est évalué à 252 910 euros hors taxes et l'Agence nationale peut subventionner ce projet à hauteur de 80% du montant hors taxes nous laissant 20% dans le meilleur des cas du coût total du projet. Évidemment, image non conforme du tout, mais par contre, c'est le projet qui sera à côté de Coubertin. C'était l'occasion, vous voyez, on fait les demandes de subvention à chaque fois sur l'ensemble des projets. C'est dans cette perspective-là que nous faisons celle-ci. Et donc, nous demandons l'attribution d'une subvention de 202 328 euros, qui représente les 80%. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Madame Huard. On en profitera, Monsieur Malray, pour vous demander un bilan des subventions accordées, parce qu'on fait des demandes, mais finalement, on n'a pas le retour de ce qui a été accordé. Il me semble qu'il y en avait déjà eu une demandée pour ce city stade. Non, pour le city stade, non, mais par contre, pour les autres, oui. Si vous voulez, vous demanderez à la direction finance, il n'y a pas de souci. Donc, M. Malray nous fera un retour en commission à la prochaine commission. M. Malray, s'il vous plaît. Si vous voulez. Pourquoi pas. Enfin, en même temps, on vote des mais trucs. Si je puis me permettre, ça serait intéressant d'avoir le retour juste de tous ces financements pour savoir finalement s'ils aboutissent, bien sûr, par curiosité. Bien sûr. Et je pense que les Vernoliens veulent le savoir aussi. Bien entendu. Mais si je puis me permettre, pour répondre aux questions qui ont été posées par votre voisin, c'est que quand on n'a pas une subvention, ce n'est pas non plus une punition. Je n'ai pas dit que c'était une punition, mais c'est, c'est intéressant de savoir bien comment sûr. Aboutissent. Bien sûr. Je pense que toute entreprise s'intéresse à ça. Absolument. Il y avait des questions, oui. Des commentaires, oui, c'est... Si vous ne les avez pas, c'est quand même embêtant. Hein. Parce que là, on est quand même à 300 000 euros pour un city stade. D'accord. C'est... Ah, oui, c'est quand même pas rien. Ouais. Alors moi, je ne suis pas convaincu. Peut-être sur le kiosque, on n'est pas loin d'être tous les deux d'accord. Mais sur le lieu du city stade, je réitère, hein, je suis un peu surpris du lieu que vous choisissez. On a quand même 112 000 euros de terrassement. Pour connaître les terrains, j'espère que le terrassement sera bien fait pour que le city stade tienne dans le temps. Je ne suis pas un opposant au city stade puisqu'on avait déjà travaillé des dossiers... à l'époque, pour en installer. Voilà. Donc, même si ça ne s'était pas fait, c'est une bonne idée. Après, le lieu reste quand même, m'interroge toujours. Hein. Bah, nous aurons l'occasion de voir. De toute manière, c'était un souhait des jeunes, ça a été travaillé avec eux. Moi, je dis maintenant que les travaux sont sur le point, dans quelques semaines, d'être lancés pour une réalisation avant l'été. De toute manière, ce n'est plus maintenant que je vais me prononcer sur ce sujet. On venira l'inaugurer tous ensemble et on jugera sur pièce également. Encore une question? C'est plus une question d'ordre technique. Il y a la subvention là à l'ANS, il y a les autres subventions à la région pour le photovoltaïque. D'un point de vue technique, alors je ne sais pas si peut-être M. Pétel qui est plus au fait ou Mme Lefranc, ça prend combien de temps justement
Monsieur Lefranc ? Madame Franc. Madame Franc, tout court. Bon, c'est pas grave, elle s'est reconnue, mais elle m'a fait un sourire d'ailleurs. Allez-y. Donc, on se connaît. Non, en fait, soyons clairs, ça prend combien de temps ? Ça Moi, je ne sais pas. Hein. Pour obtenir la subvention ou pour réaliser un city-stade ? Non. Pour obtenir la subvention. Ça prend combien de temps, finalement, à l'organisme qui accorde la subvention ? Et puis, les arbitrages qui sont faits ? Je vais être très clair. Est-ce que ce sont des arbitrages politiques ? Non. C'est une question. Non, en fait, ça dépend des institutions. Ça dépend complètement en termes de calendrier. Ils ont leurs propres agendas, leurs propres timings. Mais pour le coup, ce n'est... Pour celle-ci, en tout cas, pas du tout politique. De toute façon, l'Agence nationale du sport. Et pour les autres précédemment, et en termes de timing, c'est quoi ? 2 mois, 6 mois, 1 an ? Ça dépend, mais on les aura, j'espère. On aura la réponse d'ici l'été, j'espère. D'accord. Okay. Donc, il y a une cohérence par rapport au budget. Pardon ? Il y a une cohérence par rapport au budget. Absolument. Ok, d'accord. Merci. Bien sûr. Oui ? Oui, c'est toujours sur cette question de subvention dont M. Bach le parle et avec lequel je suis assez d'accord, en fait, parce que actuellement, vous présentez des projets qui anticipent une subvention de 80%, et on n'est pas du tout sûr d'avoir cette subvention de 80%, et j'espère qu'on l'aura. Mais quand même, ça pose la question de savoir comment vous allez financer tous ces projets in fine. Et on préempte un tout petit peu. La discussion sur le budget. Vous préemptez encore, vous êtes très pressés tous, en fait. Vous préemptez non, l'Europe. Mais par contre, c'est vous qui avez choisi l'ordre du jour et vous avez décidé de terminer sur le budget. Absolument. Et pour autant, tous ces projets que vous présentez impliquent un financement budgétaire. Donc, c'est normal qu'on parle de tout. Et donc, c'est normal que, de notre côté, on dise combien va être le financement, parce que si le financement n'est pas là à 100%, il va falloir faire des choix budgétaires. Et c'est ces choix budgétaires qu'il faudra faire. Et il y a un moment, tout ne pourra pas passer, comme vous l'avez dit très bien. Et c'est ça la question qu'on pose sur le niveau de financement et le niveau de subvention qu'on peut obtenir. Je trouve que c'est une question légitime à laquelle on peut y répondre de façon assez rationnelle, en fait. Mais je vais vous répondre très simplement. Et de toute manière, je ne vais pas me cacher, puisque dans une seconde, nous allons passer au ROB. Les projets dont nous portons ici les dossiers pour les subventions... Très honnêtement, si Béjart et Coubertin, on n'a pas les subventions, on ne le fera pas cette année. On ne pourra pas le faire. On ne va pas se cacher. On le sait très bien. D'ailleurs, ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas pu le faire. Mais on a une opportunité. Si on a la subvention, on verra. Si on n'a pas la subvention, on repassera l'année prochaine. C'est comme ça que ça se fait dans toutes les communes. Et d'ailleurs, vous constaterez par vous-même tout à l'heure, dans le débat que nous aurons, eh bien, ce ne sont pas des gros investissements qui sont budgétés pour 2023, puisque nous attendons d'avoir la réponse sur la subvention. Par contre, il y a des projets sur lesquels, je ne m'en cache pas non plus, nous les lançons coûte que coûte, entre guillemets. Mais dans un cadre raisonnable que nous allons vous présenter juste après, et en l'espèce, le City Stade, les végétalisations de cours d'école sont des choses qui sont sont des projets que nous avons depuis déjà plusieurs années, que nous avons déjà présentés par ailleurs ici. Et en fait, nous capitalisons uniquement sur l'existence de ces dispositifs pour avoir une bonne gestion, à savoir aller chercher des subventions pour financer ces projets. Mais d'une certaine manière, je suis ravi de votre remarque parce que ça démontre qu'au moins on a des projets. Et oui, nous allons continuer à en avoir. Et d'ailleurs, ça sera l'objet des discussions suivantes. Allez, est-ce qu'il y a des J'ai justement un commentaire. En fait, ça revient à tout ce qu'on est en train de débattre. Mais c'est juste une question, ce n'est pas une remarque. Si j'avais des remarques, je serais un peu plus... J'aurais un faciès un peu différent. Mais là, c'est vraiment une question. Est-ce que finalement, l'équilibre budgétaire... de 2023 repose sur les subventions. Heureusement que non. Okay. En plus, il ne s'agit que d'investissement, donc vraiment pas. D'accord. Ok, merci. Et deuxième chose, est-ce qu'on peut lancer les travaux sans avoir eu le retour sur la subvention ? Alors, nous, à chaque fois, nous avons la question qui est posée par les services directement. Et comme pour le City Stade, nous avons eu la possibilité de les commencer avant. Parfois, c'est vrai que nous ne pouvons pas les commencer avant. Mais nous avons les dérogations en l'espèce pour le City Stade. Ouais. Allez, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose donc de passer, puisque vous l'attendiez, le voici, le voilà, le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Et je vous propose de passer en un instant à ce débat. Je vais projeter le document idoine. Yeah. D'accord.
Il arrive. Il t'attend pas. D'accord. Bien. Avant de vous présenter le document, on a voulu. Vous avez dans les documents qui vous ont été transmis le rapport d'orientation budgétaire, assez détaillé, mais qui a été aussi assez présenté de manière assez détaillée en commission des finances. Ce soir, on va essayer de s'en tenir à quelques repères chiffrés pour éviter de noyer tout le monde sous les chiffres, ce qui n'empêchera pas de revenir au contenu de ce rapport si vous avez des questions, bien sûr. Donc, ce que on voulait d'abord noter, si on peut passer, voilà, c'est que ce rapport d'orientation budgétaire de 2022, c'est donc le dernier, avait été écrit avant le début du conflit en Ukraine et il s'est trouvé rapidement déphasé par rapport au développement du conflit et ses conséquences sur notamment l'inflation et le prix des denrées énergétiques qui ont déséquilibré largement notre budget. Pour indication, on pourrait y revenir, on a eu une augmentation de 20% des tarifs de cantine et on verra que les charges générales ont augmenté plus encore globalement. La revalorisation des bases locatives qui servent au calcul des impôts fonciers a été fixée par l'État à 7,1% en 2023 contre 3,4% en 2022 et cette revalorisation anticipe une inflation qui est évaluée par les différents instituts à peu près 7%. On ne va pas se battre sur les détails, mais 7% pour l'année 2023. Donc c'est un ajustement au niveau de l'inflation. Alors d'abord, quelques chiffres. Verneuil-sur-Seine, c'est 16 352 habitants au dernier recensement, c'est-à-dire en 2019. Et si on retient ce chiffre, et pour prendre en compte les charges de la commune, ça représente 1104 euros en fonctionnement par habitant, soit un total de 18 millions d'euros en 2022, fin 2022 environ, et 244 euros en investissement par habitant, soit un total de 4 millions d'euros, toujours en 2022. Ensuite, les recettes fiscales se montent à 14,9 millions d'euros. Elles seront essentiellement constituées des taxes foncières et de la compensation de la taxe d'habitation, qui s'élèvera à 12 909 000 euros au BP 2023 contre 12 047 000 euros en 2022. Et donc, elle progresse de la revalorisation de ses valeurs locatives à hauteur de 7,1%. Pour mémoire, la suppression de la TH sur les résidences principales commencée en 2018 s'achève en 2023. L'État compensera cette suppression pour les communes par un double mécanisme de transfert de la taxe foncière propriété bâtie départementale et de compensation. Troisième point, c'est la dotation globale de fonctionnement et de subvention qui est à 3,2 millions. Elle est maintenue au même montant qu'en 2022. On n'a aucune augmentation, ce qui veut dire qu'en valeur relative, compte tenu de l'absence d'actualisation, ça représente une perte pour le budget de la commune. L'épargne brute, qui est le différentiel entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, connaît une chute très importante. On est passé de 1,9 million en 2022 à 0,8 million en 2023, projeté en 2023. C'est une division par deux de l'épargne brute. C'est un choc budgétaire qu'il ne faut pas se cacher, qu'on n'a pas connu depuis 20 ans. Les causes et ce choc, toutes les communes le vivent.
Les causes en sont multiples, l'augmentation du point d'indice et des régimes indemnitaires pour certaines catégories de personnel qui étaient prévues de longue date, l'augmentation générale de tous les prix, on l'a vu avec l'augmentation des tarifs de cantine, la reprise de l'activité communale, ça c'est très important aussi sur les charges, c'est-à-dire qu'en 2020, en 2021, on a eu une activité des services très déprimée, notamment des services techniques, et il y a une reprise de l'activité communale à un niveau normal, après 2 années de Covid, qui avait donc pesé sur les charges, pesé positivement pour la commune, bien sûr. Hein. À côté de ça, on a de l'autre côté, une augmentation non corrélative des recettes, qu'il s'agisse des recettes fiscales, de la DGF, des subventions, etc. Mais tout ça, je l'ai décrit dans le rapport d'orientation budgétaire. Les investissements engagés sur les projets en cours se montent à 5,3 millions d'euros, plus 2,8 millions de RAR, donc ça, ce sera en 2023, contre 3,1 millions. En 2022. Une autre donnée importante, c'est le potentiel fiscal par habitant, qui est à 927 euros par habitant. C'est un potentiel fiscal qui reste très faible. Je rappelle, on l'avait dit en 2022, mais je le répète en 2023, que nous sommes en 71e position sur 73 au sein de GPSCO pour ce potentiel fiscal. Et que nous ne disposons pas du levier de la fiscalité professionnelle, puisqu'elle est reversée à la CU et surtout qu'elle est figée depuis 2006. Néanmoins, face à une situation qui peut paraître compliquée, on a conservé un endettement qui a encore baissé à 3 millions d'euros, ce qui laisse d'ailleurs une capacité d'emprunt quasiment intacte. Un emprunt de 1,5 million a été contracté en 2022 et il sera tiré dans le courant de l'année 2023 jusqu'au 1er décembre 2023. C'est un emprunt qui a été contracté à 2,3%, donc ce qui est un très bon taux au moment où on l'a contracté, c'est-à-dire l'été dernier. L'idée, c'est de financer les projets d'investissement de la commune et la rénovation des écoles. Un autre emprunt est envisagé à hauteur de 1,2 million, mais on en reparlera, c'est pour l'acquisition de terrain, mais à ce stade, c'est juste une option. Et ce qu'il faut noter, c'est que la capacité de désendettement reste largement inférieure à 10 ans, avec un ratio de dette par habitant toujours très inférieur à la moyenne nationale, à 183 euros par habitant, au 31-12-2022. Alors que, pour donner quelques comparaisons, la moyenne est de 954 euros par habitant au plan national et 1061 euros par habitant pour la strate des communes de plus de 10 000 habitants. Le remboursement de la dette passe en 2023 à 610 000 euros contre 800 000 en 2022. C'est un montant plus faible que l'an dernier compte tenu de la réduction de la dette. Les frais financiers sont en légère augmentation parce que les taux sont faits, mais ils ont augmenté notamment la part des taux concernant les emprunts à taux variable. Mais 35 000 euros, ça reste extrêmement raisonnable pour une commune comme la nôtre. Un montant qui reste très important, c'est les 1,6 million que nous versons à la communauté urbaine. Ce montant se décompose en 1,3 million au titre du fonctionnement et 300 000 euros au titre de l'investissement, notre participation aux investissements de la communauté urbaine. C'est l'un des plus gros versements à la communauté urbaine qui s'explique encore une fois par notre pauvreté fiscale et surtout, l'absence de dotation communautaire de solidarité, comme le soulignait le rapport de la Cour des comptes dans son rapport en 2022. Comparé aux autres CU de même taille, le manque à gagner, et on pourrait en rediscuter en commission, ça c'est sans aucun problème, le manque à gagner pour notre commune est au minimum de 800 000 euros. C'est vraiment un minimum. Concernant un autre poste important, ce sont les droits de mutation à titre onéreux. Ils ont augmenté de 10% en 2022.
mais le retournement du marché immobilier devrait faire à nouveau baisser cette source de recettes de 10%. Donc on devrait revenir à ce qui était au chiffre antérieur. On peut passer. On va revenir à peu près au niveau antérieur, c'est-à-dire qu'on a eu une montée en 2022 parce qu'il y a eu une augmentation des transactions, il y a eu une augmentation des prix et il y a une redescente parce qu'il y a un retournement du marché immobilier. Et donc, voilà. C'est une bonne nouvelle. Peut-être pas. Voilà, en l'occurrence, non. Peut-être aborder les leviers principaux possibles pour améliorer la situation financière. Les leviers, vous les connaissez, il y en a que nous refusons, et justement, pour faire la transition, développer la promotion immobilière, c'est hors de question, c'est la solution certes de facilité, mais c'est exclu hors reconquête des friches, et probablement pas sur ce mandat-là. Et puis l'augmentation de la part communale de l'impôt local, qui est évidemment quelque chose que nous refusons, mais nous y reviendrons. Nous avons par contre deux leviers que nous choisissons. La première, vous allez le voir, la limite des dépenses. Et puis surtout, évidemment, la recherche méthodique et systématique de subventions, partenariats, sponsoring et mécénat. Mais je crois que vous l'avez compris ce soir, à la suite des trois délibérations précédentes. Sur cela, je vous propose quelques photos sur le budget prévisionnel 2023 et commençons par le fonctionnement. Alors, bon, tous ces tableaux, vous les avez. Aujourd'hui, je voudrais retenir quelques chiffres. Il y a pour expliquer la chute de l'épargne brute, concernant l'évolution des dépenses de fonctionnement, retenez 1 million en plus, même un peu plus que 1 million, sur les charges à caractère général. C'est une augmentation de plus 26% par rapport à l'année dernière. Autre chiffre à retenir, toujours le même, 1 million, peut-être un peu moins d'un million, sur les charges de personnel. Ça représente une augmentation de 7,9% anticipée, sachant que on a une inflation prévue en 2023 qui est de l'ordre de 7%. Donc c'est un peu plus élevé, mais pas énormément plus. Côté recettes de fonctionnement, c'est 1 million en plus de recettes fiscales. Ça correspond à l'augmentation des valeurs locatives. Donc, le calcul, il est simple pour mesurer l'évolution de l'épargne brute. C'est 1 plus 1 moins 1. Ça veut dire qu'il y a une augmentation des charges de 1 million et il y a une réduction de l'épargne brute de 1 million. Concernant le tableau des investissements, retenir que je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est très technique, mais concernant le tout venant des investissements, l'entretien des toitures, le ravalement, on a prévu de consacrer 2,6 millions d'euros, dont et l'augmentation s'explique par 1,2 million prévu pour l'éventualité d'une acquisition de terrain à la Pointe de Verneuil et éventuellement 150 000 euros pour saisir une opportunité immobilière, mais ça ne veut pas dire qu'on va les dépenser. Après, il y a les opérations d'équipement dont on va vous parler. On va vous en parler dans la suite de cette présentation. Et effectivement, je vous rejoins. Il faut être prudent sur les subventions tant qu'on n'a pas la notification de l'obtention de ces subventions, mais on a un axe fort en termes d'orientation budgétaire, c'est d'aller chercher comme jamais ces subventions sur tous les sujets, d'investissement. Concernant les recettes d'investissement, on a 422 000 euros de FCTVA, ça c'est un remboursement de la TVA sur les dépenses d'investissement, et on a 610 000 euros qu'on vire de la section de fonctionnement à la section d'investissement, notamment pour contrebalancer les remboursements de nos emprunts. Je vais m'arrêter là. Je te laisse peut-être la parole. Comment ? Ah oui, pardon. Effectivement, il y a aussi la situation RH. Alors, sur la situation RH, comme je l'ai dit, en termes de masse salariale, l'augmentation du point d'indice impacte fortement ce chapitre.
et dans un contexte de marché de l'emploi qui est extrêmement tendu. Il y a la dernière fois, on a parlé effectivement d'une rotation de l'effectif que toutes les organisations connaissent, privées, publiques. Ça pèse sur les niveaux de rémunération, de recrutement. Et pour ça, on a constitué un observatoire de la politique salariale qui a été mis en place au premier trimestre pour essayer de positionner la commune de manière compétitive par rapport à ses voisines, mais de manière raisonnable pour éviter qu'on ait une inflation de nos salaires. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que je répète que l'augmentation des frais de personnel représente 7,9% d'une année sur l'autre, et que cette augmentation, elle est liée d'abord à l'application de ce qu'on appelle le GVT, donc à hauteur de 267 000 euros, de l'impact en année pleine de l'augmentation du point d'indice à hauteur de 150 000 euros, c'est-à-dire qu'en fait, le point d'indice, il était déjà intervenu en 2022, mais sur une partie de l'année, là, il va être appliqué sur l'ensemble de l'année. Il y a aussi le recrutement des 5 agents nouveaux, responsables du CSU, SVP, remplaçant d'une personne qui était inapte au sport, parentalité, adjoint, un agent à la parentalité, un adjoint jeunesse, un psychologue. Et dernier point, la mise en place des tickets restaurants à hauteur de 100 000 euros. Au total, les effectifs de la ville, en équivalent temps plein, ils ont évolué de 5 agents supplémentaires. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça l'indicateur en termes d'impact sur la masse budgétaire. Concernant l'extinction de la dette, on l'a vu, on ne va pas s'éterniser, on a une dette qui est très faible, qui laisse des capacités d'investissement très importantes pour la commune. Et on a, je vous passe le détail, tout est dans le robe, on a un certain nombre d'emprunts à taux fixe, un certain nombre d'emprunts à taux variable, mais globalement, nos frais financiers sont relativement faibles. Peut-être un point sur la perspective pluriannuelle d'investissement, une petite synthèse, mais de toute manière, nous allons y venir sur la prospective pour détailler ces projets. En 2023, nous avons donc un certain nombre de projets qui vont être lancés, avec, nous l'avons évoqué tout à l'heure, quoi qu'il arrive, la réfection, la requalification de la cour de Dolto, à la fois l'école, la crèche et l'accueil de loisirs, mais également la maison des familles, l'ADAP, nous avons 300 000 euros, mais nous y reviendrons, mise en place sur l'accessibilité, et puis le complément sur la maison des médecins, en sachant que dans les prospectives qui sont faites, là on est bien sûr que sur du bâtiment, de l'investissement, en 2024 nous avons de la même manière l'ADAP avec l'accessibilité projetée, les jardins d'Aguilar avec des aménagements également projetés, l'école Cosma sur la requalification de la cour, vous le voyez, c'était de toute manière nous prévu plutôt sur 2024 si nous n'avons pas les subventions, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, projetée également, et puis une première étude projetée également sur la maison des opportunités. Mais peut-être pour rentrer dans le dur et vous qualifier ces projets avec une prospective, puisque c'est ça sans doute qui est le plus intéressant, de donner de la visibilité sur les projets et au-delà sur la politique menée sur les prochaines années. D'abord, peut-être insister sur le fait que 2023 est une année de concrétisation des projets. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que c'est la première année qui commence sans une nouvelle catastrophe. Enfin, pour l'instant, je touche du bois. Après le Covid, après la guerre en Ukraine, cette année, nous espérons un peu de répit et j'espère par ailleurs, sur du plus long terme, que des meilleurs moments sont à venir. Sur 2023, de nouveaux aménagements sont à venir. Vous parliez du parc Saint-Martin qui sera bientôt terminé entièrement. Ça sera aussi dans les prochaines semaines l'achèvement du jardin Marcel Gottlieb avec de nouveaux jeux, mais également une grande requalification de ces espaces qui sont en plein travaux. Au niveau scolaire, vous savez que 2023 sera, je l'ai déjà évoqué deux fois, l'année de la rénovation et revégétalisation de la cour de Dolto. Mais au-delà, je me permets d'évoquer que côté mairie, nous sommes également en plein chantier pour préparer les travaux qui sont ceux pas financés directement par la ville, mais du collège Jean Zay avec le département. Suite à ces travaux menés ensemble, j'ai signé le permis de construire il y a quelques semaines pour des débuts des travaux imminents.
Côté enfance et famille, vous pourrez assister à l'inauguration prochaine de la Maison des Familles, lieu ressource d'échange qui se situera au Champ-Clos, au niveau de l'attractivité de nouveaux commerçants arrivent en ville, à la fois fleuristes, maraîchers et d'autres commerçants qui arrivent. Par ailleurs, puisque c'était une question qui était souvent posée, ENSI s'ouvrira aussi prochainement son siège social et vous serez invité lorsqu'il y aura l'inauguration, avec 200 emplois à la fin qui seront créés sur la ville. Côté animation, c'est le retour des fêtes de Verneuil dans un format encore plus festif, avec de nouvelles animations et surtout le retour des manèges, des forains, ce qui est possible grâce aux dispositifs de sécurité qui sont en train d'être finalisés côté caméra. Vous pourrez également retrouver cette année un programme culturel événementiel qui détonne et qui sera notamment sur l'ensemble de nos infrastructures, mais aussi bien sûr Béjart. Dans les autres projets importants, nous avons ceux des mobilités, avec la modification du parvis du Poléol des Clairières de Verneuil qui approche, avec des travaux pour l'été, avec par ailleurs également dans le même temps un certain nombre d'autres investissements que je vais me permettre de communiquer pour la première fois, je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion de les expliciter en conseil, mais qui sont menés main dans la main avec la communauté urbaine. Et en l'espèce, pour ce qui est des voiries sur 2023, nous sommes en train de préparer un grand chantier paysagiste pour pouvoir obtenir un carrefour Jules Ferry, pas seulement retransformé, puisqu'il est quand même très très mal structuré, mais également végétalisé. Et si vous ne voyez pas où est le carrefour Jules Ferry, c'est le croisement entre la Grande Rue et la Rue des Rosiers au niveau du Grand Auchan, ce carrefour très dangereux, qui sera donc sécurisé, végétalisé, transformé. Mais encore une fois, nous aurons l'occasion d'y revenir. Également, sur les prochains mois, la création et le marquage de marquages cyclables sur certains quartiers que nous sommes en train de travailler avec la communauté urbaine, et puis d'autres infrastructures, certaines déjà évoquées, d'autres qui l'ont été de toute manière les fois précédentes, à la fois le City Stade, je ne reviens pas dessus, le terrain de basket 3x3 à Ponce qui est en train d'être terminé, mais également un parcours santé sport dans le bois de la demi-lune, près de la gare des Clairières. Et puis évidemment, la mise en place avant l'été, les caméras commencent à fleurir sur la ville, vous pouvez les voir en vous promenant, la vidéoprotection qui est en train d'être mise en place, et puis évidemment, parmi les autres projets, l'ouverture du bâtiment de la Maison des médecins. J'aurai l'occasion de revenir sans doute après l'été sur cette ouverture, à quoi elle est conditionnée sur les médecins. Au-delà de ces projets et des événements auxquels vous êtes bien entendu conviés, vous pouvez retrouver en mairie ou dans le journal de la ville ou sur les réseaux et internet les immanquables de cette année. Nous aurons parmi tous les événements qui ont été évoqués également la redondance de la grande fête prévue et promise aux aînés pour début juillet sous forme de guinguette. Ces moments en tout cas qui sont attendus, souhaités, souhaitables et bien entendu prévus dans le budget que nous voterons au conseil municipal prochain. Pour ce qui est de préparer demain en revenant peut-être plus les pieds sur terre, autrement dit sur le concret, sur les éléments plus tangibles, peut-être vous donner quelques lignes directrices. Des lignes directrices qui recoupent l'ensemble des projets que j'ai évoqués. Mais d'abord, des charges de fonctionnement optimisées et limitées, avec évidemment également une limitation de nos capacités financières, puisque Paul évoquait évidemment les recrutements, mais je tiens à dire aussi qu'il y a des agents qui démissionnent, qui vont ailleurs, c'est la vie, et que tous les postes ne sont pas renouvelés. Un redéploiement des ressources humaines, c'est ce que j'évoquais, une marge brute qui reste à surveiller, mais cela a été dit, une attractivité écologique, économique, commerciale et sociale qui est vraiment notre mantra sur les prochaines années et sur l'ensemble du mandat. Et puis bien entendu, une progression de l'endettement raisonnable et réservée aux seuls équipements durables et indispensables. Mais surtout, s'il y a une chose à retenir sans doute parmi ces lignes directrices, c'est des taux d'impôts locaux à Verneuil qui n'augmenteront pas en 2023. Parmi les autres éléments que je me permets de mettre en valeur et en lumière, évidemment rien de nouveau, mais l'affirmation de notre exigence écologique. Vous l'évoquiez, oui, l'écologie, ça a un prix, mais Verneuil, évidemment, c'est d'abord une ville verte. Préserver et développer des espaces naturels, la biodiversité du centre-ville, la préservation des espaces verts, et puis la fin des grands projets destructeurs, nous aurons l'occasion forcément d'y revenir, sont des sujets qui drainent notre politique. La végétalisation des cours d'école, je ne reviens pas forcément dessus, mais également les parcours santé en forêt, la réflexion sur les énergies renouvelables en cours, et puis bien entendu, le programme Ma Ville, Mes Arbres, avec plus d'une centaine d'arbres, parce qu'on était parti sur 100 par an, mais finalement, suite aux demandes des riverains, nous en avons beaucoup plus. Et puis bien entendu, l'ensemble des élus de la majorité intègrent cette dimension
à l'ensemble de leur délégation, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de chantiers en cours, pistes cyclables, déminéralisation des sols, économie d'énergie, sensibilisation des publics, charte anti-gaspille, lutte contre les îlots de chaleur, tant de projets qui verront éclore sur les prochaines années. Au-delà de l'écologie, comme l'année dernière, c'était la deuxième slide tout aussi, garantir avant toute chose la sécurité des Vernoliens. Cette année, le recrutement de policiers municipaux et d'agents de surveillance de la voirie publique s'est poursuivi et se poursuit avec le développement de leur équipement. Mais au-delà, le développement des méthodes modernes d'investigation, d'intervention par le déploiement d'un réseau de caméras arrive. Rien de nouveau, nous avons eu l'occasion souvent d'en débattre ici. Mais tout cela pour vous dire que, au regard de tous les débats que nous avons pu avoir sur la sécurité, c'est en 2023 que ces politiques vont réellement éclore. Ce n'est pas réellement lié au budget de cette année, puisque ce sont des projets qui ont été budgétés les deux années précédentes, mais post-Covid, il fallait bien que les choses finissent par arriver. Et puis enfin, bien entendu, le facteur prévention, qui reste également prioritaire, avec un protocole de participation citoyenne qui a été signé récemment avec la préfecture. Et j'appelle d'ailleurs tous les Vernoliennes et tous les Vernoliens qui le souhaiteraient à contacter directement Arnaud Carrard, notre responsable de la police municipale, pour s'il souhaite se porter volontaire. La meilleure manière, évidemment, d'éviter les incidents reste la prévention. Parmi les grands chantiers, évidemment, l'un d'entre eux qui me tenait à cœur d'évoquer ce soir, porté par Rania Slim, c'est, vous le connaissez, la rénovation des briques rouges. Vous le savez que cette rénovation, notamment thermique, mais pas que, concerne un tiers des habitants de notre ville. Dans ce contexte, nous nous sommes donné les moyens pour accompagner les copropriétaires vers une rénovation indispensable. Nous sommes positionnés comme facilitateurs du dialogue. Nous avons également lancé une étude qui est subventionnée à hauteur de 75% par l'Agence nationale de l'habitat et la région, qui nous permet d'espérer un résultat pour la toute fin d'année, ce qui nous permettra dans la foulée de pouvoir faire un retour, bien sûr, mais surtout de pouvoir prétendre à un certain nombre de dispositifs. Et ce sera le grand chantier de 2024, mais pour l'instant, restons sur 2023. Et en 2023, parmi les grandes priorités, l'une d'entre elles qui vous aura sauté aux yeux, c'est bien entendu l'accessibilité et plus globalement l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Rendre les bâtiments publics existants accessibles est une priorité. Mais le problème, c'est que nous n'avions pas les études réalisées pour savoir exactement comment procéder. Une commission accessibilité va se réunir dans les prochaines semaines afin d'identifier avec nos services techniques les chantiers à mener, mais des enveloppes sont posées de 300 000 euros par an à partir de cette année pour arriver peut-être pas en fin de mandat parfaitement, mais du moins, quoi qu'il arrive au début du mandat suivant, à des équipements publics communaux 100% accessibles. Ces investissements globaux ont été estimés à peu près à 1,5 million sur l'ensemble des équipements communaux. La municipalité a donc décidé de procéder à cette mesure politique forte dans le cadre, bien entendu, des obligations imposées par la préfecture, mais nous allons au-delà de ces obligations. Et d'ailleurs, nous profitons de certains de nos chantiers pour rendre accessibles certains de nos équipements. Je pense par exemple à Cosma Adolto ou à la Maison des médecins. De toute manière, c'était des espaces qui devaient être rendus accessibles, quoi qu'il arrive. Au-delà, peut-être 3-4 sujets à évoquer en conclusion. J'ai déjà évoqué largement la politique culturelle, événementielle et sportive, basée sur cette notion d'attractivité. Le succès confirmé de l'Oktoberfest 2022 montre cette année encore l'attente des Vernoliens. Et je crois que cette année, ils ne seront pas déçus, puisque sur l'Oktoberfest 2023, nous attendons nos villes jumelles encore plus en force, et même, je crois, se faire de ma part avec un orchestre. L'espace Maurice Béjart également, qui a beaucoup souffert de la sortie du Covid-19 à l'image de tous les lieux culturels en France, reste et connaît bien sûr des baisses de fréquentation, mais commence à connaître un retour vers les salles, certes progressif, mais comme partout. Je ne reviens pas nécessairement sur l'ensemble de la politique jeunesse, puisque j'ai largement évoqué le street workout ce soir. Peut-être par contre évoquer qu'en complément de ces dispositifs, nous sommes en train de travailler l'ouverture de gymnases en soirée, au moins une soirée par semaine, probablement dans les prochains mois. Par ailleurs, pour les sportifs, j'ai évoqué le parcours santé et pour ce qui est des rénovations d'infrastructures, tennis, gymnase, etc., nous avons également tout un plan de travaux qui est coordonné notamment avec les associations. Dans les autres orientations qui me paraissent essentielles, celle qui consiste à avancer ensemble, c'est le participatif incarné ce soir par le Conseil municipal des jeunes, mais également par le budget participatif et le prochain sera lancé bientôt. Malheureusement, Covid aidant, nous avons été très freinés sur la réalisation du parcours santé sportif et je ne souhaitais pas que nous lancions le deuxième budget participatif trop vite, puisque celui-ci, le premier, n'avait pas encore été réalisé.
Mais je crois que nous allons avancer quand même parce que de toute manière, les choses sont bien ancrées. Les comités de quartier également, les consultations sur l'ARD, sur les briques rouges, sur l'avenir du boulevard André Malraux, et puis l'organisation d'assises auxquelles vous avez sans doute participé, santé, commerçants, associations, transports bientôt, en tout cas des moments qui vont, encore une fois, égrener les prochaines semaines. Et puis peut-être évoquer enfin l'accompagnement des Vernoliens à tous les âges de la vie, et pour cela plusieurs sujets, mais sans doute évoquer d'abord la mise en place de la mutuelle communale, c'était quelque chose qui n'a jamais été encore évoqué, je crois, publiquement, mais c'est l'occasion de le glisser, puisque c'est un projet que nous avions et qui sera mis en place progressivement avec des réunions organisées dès les prochains mois. Le développement des actions et animations seniors, je l'évoquais tout à l'heure, notamment avec aussi l'initiation informatique qui a commencé d'ailleurs cette année, des repas et des sorties qui se prolongent comme l'année passée. Également la maison des familles, que j'ai évoqué tout à l'heure, on pourra y revenir si vous le souhaitez, celle des médecins avec les travaux qui vont commencer dans les prochaines semaines et un dispositif entier sur lequel nous reviendrons après l'été, et puis le pôle social, à savoir le déménagement du CSAS et l'agrégation autour de lui d'un ensemble de permanences. Mais encore une fois, je vous propose, plutôt que de les égrener ensemble ce soir, de faire ce pour quoi nous sommes là, à savoir un débat d'orientation budgétaire. Sur cela, le plus simple est donc peut-être de vous laisser la parole et d'essayer de répondre au mieux à vos interrogations. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, on peut procéder tout de suite à la prise d'acte, mais ça serait un peu dommage, j'imagine. Je vous en prie. Vous avez dit plusieurs fois dans votre présentation, rien de nouveau. Mais je crois que c'est le résumé de ce débat pour moi. C'est une super nouvelle si vous me dites que moi je suis transparent et que vous apprenez rien ce soir, je suis ravi. Je suis plutôt inquiète en fait. Pourquoi vous trouvez qu'on n'a pas assez de projets, qu'on fait rien? Non, c'est des projets passés que vous nous présentez depuis plusieurs années maintenant. Et on aimerait bien savoir finalement qu'est-ce qui va être porté et quelle est la projection, et c'est une question qu'on a régulièrement posée, sur les années à venir. Et en plus, vous nous parlez de la sécurité. D'habitude, vous n'aimez pas mélanger, mais c'est le bilan du CIVUCOP et les bilans du CCAS. Ah, mais moi, je n'ai pas de problème d'évoquer tout ce soir, parce que c'est un débat. Non, mais vous l'avez dit de toute façon, donc, vous-même, plusieurs fois, rien de nouveau. Ah voilà. Oui, parce que donc, je suis transparent sur les projets. Je l'ai évoqué en commission, on l'a évoqué avant. Oui, mais quelle est la trajectoire pour les prochaines années? La trajectoire, je l'ai évoquée, un certain nombre d'investissements massifs. Maintenant, si vous trouvez qu'ils sont insuffisants, je veux bien qu'on continue, mais je crois qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que nous avons été bloqués respectivement par le Covid en début de mandat et par le conflit ukrainien qui a eu quelques répercussions sur la lenteur de travaux. Cela dit, 2023 va voir éclore l'entièreté des projets évoqués pour 2023 et 2024, vous avez vu la projection, puisque c'est une séquence pluriannuelle, et sur 2024 encore, de nombreux investissements. On ne parle pas de la gare encore? La gare, c'est GPSEO, mais si vous voulez, on commence... Mais vous parlez du CIVUCOP, donc... Ah, mais sur la gare, moi, je veux bien l'évoquer. Sur la gare, nous avons des choses à dire, si vous voulez. Sur la gare, côté l'éclairage de Verneuil, les travaux commenceront a priori à l'été. GPSEO n'a pas encore... Enfin, a déposé les permis, mais pour l'instant, attend de voir quand est-ce que les fournisseurs seront disponibles. Toujours le même problème. Et quoi qu'il arrive, nous espérons des premiers coups de pioche pour juillet. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que dans les prochaines semaines, nous aurons le stationnement résidentiel qui sera incarné par des peintures sur les voiries. Au-delà du poléole des Clairières, nous travaillons toujours avec la communauté urbaine et le département sur celle Verneuil-Verneuil, mais comme tous les projets d'envergure, cela prendra du temps et nous allons prioriser les chantiers sur les Clairières pour ne pas tenir tous les chantiers d'un seul coup. Donc pour la gare Verneuil-Verneuil, je reviendrai vers vous sur un prochain conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'on est vraiment là pour parler de la situation budgétaire et que je comprends que vous égreniez vos projets, mais la question qu'on se pose, c'est comment vous allez les financer dans les années futures. Et moi, ce que je remarque à la lecture de vos chiffres, c'est que la situation budgétaire continue à se détériorer et que l'excédent de fonctionnement que vous avez hérité en 2020 de 3 millions d'euros, et il a été hérité de vos prédécesseurs, il est réduit à la portion congrue aujourd'hui. Et il y a deux causes à ça. Il y a d'abord les embauches massives que vous avez faites. Le montant des charges de personnel, en fait, ils sont passés de 9 millions d'euros à 11 millions d'euros depuis votre arrivée. Ça fait 2 millions d'euros. Ça fait pas 8%, ça fait 20%. Je dois dire que ça ne câble pas avec l'inflation que vous avez donnée. Ce n'est pas l'inflation qui explique la hausse de vos charges de personnel cette année.
Je vois que vous avez prévu votre réponse, je suis très content. La deuxième chose, c'est que les hausses de charges de fonctionnement, effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui va venir impacter votre situation budgétaire, eh bien, elle est liée au retour, je dis bien au retour prévisible de l'inflation, et qui n'est pas la seule cause de la guerre en Ukraine, parce que la cause numéro un, c'est évidemment le Covid. Et la cause numéro deux, c'est la politique ultra-expansionniste de la Banque centrale. Donc gardez bien ça en tête, parce que ça explique que l'inflation va être un vent contraire dans les années à venir sur vos projets, parce qu'elle va devenir persistante. Et ça, vous ne l'intégrez pas, en fait, dans vos simulations. Alors comment vous faites pour financer ce train de vie? Parce que avec toutes ces embauches massives, forcément, ça coûte cher. Et vous avez pratiqué des hausses d'impôts, en fait. Vous dites que non, mais ce n'est pas vrai. La première hausse d'impôts que vous avez pratiquée, c'est que vous avez augmenté la contribution au CIVUCOP. Et comme les comptabilités sont scindées, c'est bien une contribution qui est applicable aux Vernoliens. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte, parce que c'est une hausse très importante, et qui avait pour mission de financer la politique, la police intercommunale. Or, cette police intercommunale, elle n'a Qu'est-ce que vous racontez ? Police intercommunale, mais que dalle ! On a augmenté les impôts, on l'a toujours dit il y a deux ans pour les caméras, qu'est-ce que vous racontez ? C'est n'importe quoi. Ne vous mettez pas en colère, monsieur le maire. Je ne me mets pas en colère, je vous dis n'importe quoi. Je ne comprends pas. Je ne raconte pas n'importe quoi. Ah bah si, vous reprenez tous les articles de presse, ça a été toujours dit, le CIVUCOP avait pour vocation de financer la vidéoprotection. Vous voulez dire que, en gros, les caméras, ça coûte 1 million d'euros par an ? Un million d'euros par an. Je ne vous ai pas vu hier au conseil syndical, puisqu'on a fait le robe du CIVUCOP, vous étiez invité, c'est public. Pour ce qui est du robe du CIVUCOP, je vous laisserai regarder les documents, mais oui, ça coûte cher. Hein. Cher. Je suis ravi de savoir qu'il y a un robe, mais je pense qu'il y a un suréquilibre qui doit être très important, en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner de combien est le suréquilibre sur ce compte-là ? Parce que je pense que les 2 millions d'euros qui ont été dépensés par les Vernoliens depuis 2001, ils n'ont pas été, 2021, ils n'ont pas été dépensés. De combien est-il ? Si je puis me permettre, je ne suis pas la bonne personne pour répondre, mais par contre, si je Monsieur peux aussi me permettre... Monsieur Debjaïla, je serais ravi de l'entendre. Oui, mais on n'est pas obligé de... En fait, si on est là pour Pourquoi parler... Pourquoi vous n'étiez pas là hier ? Alors, parce que j'ai pas reçu d'invitation. Mais vous rigolez ? Non. C'est faux. Alors, je vais pas perdre de temps. Ça aussi, c'est faux. C'est public. Alors, très bien. Je comprends que vous ayez peur de. Ah, mais j'ai pas peur. Donc, j'ai peur. Laissez-moi terminer et vous énervez pas. Non, c'est juste s'il y a des choses factuellement fausses, je le dirai. Alors, les Vernoliens, ils ont bien eu une augmentation de leurs impôts. Absolument. Sur la contribution du CIVUCOP. Tout à fait. Et donc, c'est bien une hausse d'impôts. Voilà. Oui. En numéro un. Et c'est bien une hausse d'impôts que vous avez décidé, vous, la mairie de Verneuil, avec M. Debjaï, qui est votre adjoint. Pour la vidéoprotection. Voilà. Mais donc, il y a bien une hausse d'impôts. La deuxième chose... C'était il y a deux ans, oui. Et depuis, dites, ça baisse, oui. Vous dites, depuis trois ans, il n'y a pas eu de hausse d'impôts. C'est faux. Il y a eu une hausse d'impôts. Du taux communal, zéro. Voilà. On est l'une des rares villes. Mais vous savez de combien est l'inflation pour les produits alimentaires ? C'est 15%. Oui. 15%. Vous vous rendez compte ce que c'est pour les budgets ? Oui, c'est pour ça qu'on n'augmente pas les impôts cette année. Quand vous dites aux gens que les impôts ne montent pas parce que vous dites, en fait, c'est le taux local, etc. Mais vous jouez sur les mots. Les impôts ont augmenté. Arrêtez de jouer sur les mots. La contribution au CIVUCOP a augmenté. Je ne parle qu'en tant que maire, je ne suis pas président de la République, et vous non plus. Et puis après, je prends la parole. Non, je vous laisse finir. Non, parce que je comprends que votre stratégie, elle est de m'interrompre toutes les deux secondes, mais ça donne l'impression que vous avez peur de ce que j'ai envie de dire. Je vous répète que je n'ai pas peur, mais je vous écoute. Alors, donc, laissez-moi finir. Donc, la deuxième chose, et vous aurez tout le temps de contredire après, c'est un débat. Donc, la deuxième chose, c'est que, par deux fois, les impôts locaux ont augmenté à Verneuil. Et, bah oui, puisqu'il y a eu une augmentation de 3,1%, et vous venez d'annoncer une hausse de 7,1%. Est-ce que les impôts ont augmenté ? Alors, si je puis me permettre, je crois que vous mélangez tout. Non. Vous mélangez, et je vais même aller plus loin que vous. Je vais aller encore plus loin que vous. Vous mélangez l'augmentation, en effet, pour la vidéoprotection, puisque l'équipe précédente, je suis désolé, avait laissé un système complètement défaillant. Ensuite, nous avons une deuxième augmentation par la communauté urbaine, parce que les équipes précédentes avaient également laissé quelque chose de défaillant. Et cette année, nous avons l'État qui ne fait que compenser l'inflation. Donc, ce n'est pas une hausse de la commune. La commune pourrait augmenter, elle ne le fait pas. Bon, nous assumons, pour vous répondre sur votre question, oui. Par contre, j'assume que oui, nous profitons du fait d'avoir des réserves pour les réaliser d'une certaine manière
au moment le plus dur pour la ville, parce que je ne pense pas que sur ces 10, 15, 20 dernières années, nous ayons traversé quelque chose d'aussi dur qu'une pandémie suivie d'une guerre en Ukraine, en tout cas pour notre ville, et en termes de financement. Mais à Verneuil, tout ça est tout à fait discutable. Je vais continuer parce que je voudrais pas. Je comprends que vous ayez envie de changer de sujet, mais quand même, on va parler de ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour les Verneuiliens, les impôts ont augmenté. Et c'est bien les impôts de Verneuil qui ont augmenté. Et que vous allez bien recevoir des revenus supplémentaires par cette hausse d'impôts. Et dans votre budget, vous avez bien, vous l'avez dit, le montant des taxes foncières augmente. Ça veut bien dire que vous avez des revenus supplémentaires suite à cette hausse d'impôts. Donc, ça fait bien partie de votre équilibre budgétaire. Et pour ça, c'est important, parce que comment vous financez ce train de vie? Eh bien, d'abord, vous bénéficiez de cette hausse de la taxe foncière qui va vous permettre d'équilibrer votre budget. La deuxième chose sur laquelle vous jouez et qui fait que les Verneuiliens payent, c'est que vous augmentez les tarifs municipaux. Vous avez augmenté... Mais qu'est-ce que vous dites encore? Il n'y a pas d'augmentation des tarifs municipaux? Ah oui, l'école de musique n'a pas augmenté? Excusez-moi, moi j'ai vu des gens qui ont vu leurs tarifs baisser aussi, et des gens qui l'ont vu augmenter, mais on a surtout fait des transformations de tarifs. Et si vous croyez que c'est les tarifs, l'augmentation des tarifs de l'école de musique qui ont permis un suréquilibre sur des budgets, alors là... On peut présenter peut-être le budget là, qui a été présenté justement. Vous avez dit qu'on pouvait revenir, je voudrais qu'on montre justement les tarifs municipaux pour qu'on voit si entre 2022 et 2023, il y a bien 1 million de plus qui sera... Sur les tarifs municipaux? Mais non. Montrez-moi s'il vous plaît. Mais où? Je demande qu'à voir, allons-y. On va y aller. Mais vous m'arrêtez parce qu'il n'y a rien dans les slides. Donc... Bah, c'est pas dans les slides, moi, c'est dans l'Europe. Mais on parle d'Europe, attendez. Vous me dites, montrez-moi. Bah, montrez-moi. On ne parle pas des slides. Non, plus sérieusement, si je puis me permettre, non, la réponse est non. Évidemment, ce n'est pas les tarifs qui permettent d'équilibrer le budget, bien sûr que non. Et puis, l'augmentation des 7% de la fiscalité dans toutes les villes, c'est national. C'est strictement pour compenser l'inflation qui est nationale, pour ne pas dire bien plus, pour reprendre vos mots. Mais je vous en prie. Écoutez, c'est dans le rapport, là, je vois bien écrit que les tarifs publics vont augmenter, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi vous dites non, et puis si on prend votre budget, hein, vous avez présenté une feuille, là, moi je vois, dans les recettes de fonctionnement, est-ce que vous l'avez? Non, mais je ne cherche pas, monsieur Dainville. Mais pourquoi pas? Parce que je vous ai répondu. Ok, on en reparlera au budget. Pas de souci. Et on verra que, en fait, vous avez bien projeté, puisque vous avez dit qu'ils n'avaient pas été augmentés depuis. Et pour vous répondre, en toute transparence. Et en fait, on en a parlé même en commission. Vous avez dit que ça n'a pas été augmenté depuis 3 ans, et puis on s'aperçoit que c'était augmenté à l'école de musique. Alors, bien sûr, vous allez dire, pas pour tout le monde. C'est pas les tarifs qui augmentent. Donc, c'est une transformation des tarifs, oui, vous avez raison. Les impôts locaux augmentent. Oui. Les tarifs augmentent pour certains et diminuent pour d'autres. Et la deuxième chose, parce que, en fait, vous l'avez expliqué là, hein, pour financer votre budget, eh bien, vous allez devoir vous réendetter. Bah non. La réalité, c'est que vous allez relancer l'endettement. Sur l'endettement, on va y revenir tout à l'heure. Bah non, attendez. En fait, vous dites moi à tout ce que je dis. Bah, c'est pas quand ma faute. Je vous demande de montrer des justificatifs, bien sûr, vous dites non, j'ai pas le temps, j'ai que ma slide. On est là pour parler d'un rapport d'orientation budgétaire. Et en fait, quand on vous le demande de le présenter, vous dites non. Bon. Chacun jugera. Mais peut-être pour continuer à avancer, et juste sur ce point-là, c'est important, c'est de dire qu'effectivement, le contexte économique ne va pas vous aider et que, comme je le disais, en fait, le pouvoir d'achat, il va continuer à décliner parce que la hausse, elle est de 15% et cette inflation, malheureusement, elle va devenir persistante au moins jusqu'en 2025. Et je pense qu'il y a toute une... une incertitude aussi pour savoir ce que ça va venir. Sur ça, on est d'accord. Mais non seulement ça va jouer sur le pouvoir d'achat, mais ça va jouer aussi, vous, sur vos capacités à jouer sur vos projets. Un deuxième élément qui me paraît important... Juste peut-être pour compléter, gardez bien en tête que c'est strictement interdit, pas qu'à Verneuil, hein, c'est strictement interdit de s'endetter pour du fonctionnement. Absolument. Donc ce que vous dites ne tient pas la route, mais je vous en prie, continuez. Oui. Mais bien sûr que si ce que je dis... Ah non, c'est interdit, non, c'est interdit. Non. Il n'y a que l'État qui peut se permettre de faire ça, mais nous, on est une collectivité. Mais attendez. J'ai jamais dit ça. C'est ce que vous venez de dire. Si. Mais attendez, là, vous me faites rigoler, là, tous à être d'accord. Oui. On a entendu la même chose. J'ai dit que la commune de Verneuil allait se réendetter. Qu'est-ce qui est faux dans ça? La dette n'a pas compensé. Est-ce que vous avez prévu ou pas
d'emprunter 1,5 million. Oui, strictement pour des projets d'investissement. Pourquoi vous ne mettez pas, dans votre simulation, là, vous avez mis 3 millions au 1er janvier 2023, ouais. Mais en fait, vous ne dites pas qu'au 1er décembre 2023, mais il y aura d'investissement, strictement, vous ne pouvez pas mélanger fonctionnement-investissement. Mais je vous en prie, finissez. La réalité, elle apparaîtra au Vernolien. Vous savez, et vous avez beau comme la révélation de faire du marketing politique mais je suis d'accord avec vous. Temps, vos chiffres n'ont pas la route. Moi, quand je vous entends dire, par exemple, on ne se réendette pas, mais les charges de taux d'intérêt augmentent, excusez-moi, eh ben moi, je rigole. Voilà. Parce que je ne vois pas comment, sans se réendetter, on peut avoir des charges. Mais non, c'est... Voilà. Bon, bah, écoutez, vous allez... faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais dire sur les taux d'intérêt, on verra. Mais moi, ce que je dis, c'est que la ville de Verneuil va se réendetter dans les années à venir. Et je pense que vous ne direz pas le contraire, en fait, et on verra effectivement à la fin de votre mandat de combien a été l'endettement et le réendettement que vous avez fait. Donc, je vais continuer parce que la hausse des taux d'intérêt, pourquoi elle est importante à prendre en compte, et je parlais du contexte économique pour dire qu'il y avait l'inflation qui allait être ce vent contraire, mais la deuxième chose, c'est que ce taux d'intérêt, il va impacter principalement le budget de l'État. Et le budget de l'État, comment on est sensible à ce budget de l'État, c'est qu'en fait, on touche des dotations. Et que le risque qu'on a dans les années futures, c'est que si la charge de la dette devient plus importante pour l'État, alors il aura moins d'argent à redonner aux dotations. Et ça, c'est un risque et une incertitude qui est très importante à prendre en compte. C'est ce qu'on dit. Sur ça, on est tous d'accord. Vous êtes bien sûr d'accord avec tout ce que je dis, donc je suis ravi. Non, pas surtout. Ça joue à ça. À la fin, vous êtes d'ailleurs d'accord pour dire que la conclusion de tout ça, c'est de dire que votre marge brute, votre épargne brute, elle descend drastiquement et qu'elle arrive à un niveau qui va bientôt vous empêcher de pouvoir financer vos projets futurs. Mais vous auriez préféré quoi alors? Qu'on augmente les impôts? J'ai l'impression que vous regrettez qu'on ne les augmente pas pour nous critiquer. Ça aurait été une solution. Je suis sûr que vous auriez adoré. Qu'on ne fasse rien, pas de projet. Je vais terminer, moi, sur mon intervention. Je laisserai les autres intervenir sur le sujet. Mais je ne vois pas les choses au jour le jour. C'est un débat d'orientation budgétaire. Moi, je vois que compte tenu des décisions, parce que souvent les gens me demandent, donc moi, je vois compte tenu des décisions que vous prenez aujourd'hui, bah, la trajectoire, elle est claire, hein, vous venez de le dire, et elle ne va pas changer. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que probablement que les impôts vont continuer à monter, en fait. Vous allez dire, oui, c'est la base, c'est pas nous, mais en fait, à la fin, pour les Verneuiliens, c'est la même chose, on prend dans la même poche, et donc c'est eux qui payent. Les tarifs communaux vont augmenter, on le verra au budget, vous avez dit que non, on en reparlera. L'endettement de la commune va augmenter, et vous allez trouver plein de bonnes raisons pour nous expliquer que bien sûr, c'est normal. Les projets d'investissement, pour moi, vont devenir de plus en plus compliqués. Et on voit le volume que vous avez présenté ici, sur lequel il y a des bases hypothétiques très importantes, parce qu'on ne sait pas de combien vont être les subventions. Donc, enfin, moi, je terminerai en 3 ans. Bah, je trouve que vous avez presque réussi à cramer la caisse, pour reprendre une expression. Bien essayé. Et dans les 3 ans qui viennent, on verra que vous l'avez complètement cramé. Et je vais vous dire la chose, c'est que ce qui a mis le feu, c'est la hausse des embauches, qui ne se reflète pas correctement d'ailleurs dans votre budget. L'inflation, c'est le vent qui attise les flammes, là c'est clair. Et en fait, la seule chose qui vous maintient à flot aujourd'hui, c'est les économies que vos prédécesseurs vous ont laissées. Oula, on va y revenir tout à l'heure parce que la preuve est non. Mais si je puis me permettre, par contre, on a un gros désaccord et je pense que c'est quelque chose qui a été partagé avec d'autres élus autour de la table. Vous avez l'air d'avoir un point de vue très négatif sur l'endettement. En fait, l'endettement, ce n'est pas négatif, surtout si ça permet de faire un effet de levier. Donc moi, je ne regrette en aucun cas lorsque nous avons des taux d'emprunt qui sont bons en plus. Donc pour moi, l'endettement n'est pas quelque chose de négatif et je ne suis pas en train de cramer la caisse, je suis en train de bien gérer la commune. Par ailleurs, en jouant sur le fait que vous oubliez, vous parlez de hausse, parlons aussi des disparitions, par exemple, de la taxe d'habitation, qui c'est une réalité, vous ne l'avez pas du tout évoqué. Il faut regarder l'un dans l'autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de la commune de Verneuil, c'est le débat d'orientation budgétaire de la ville de Verneuil, nous sommes au conseil municipal, les taux de taxes communaux, ils n'augmentent pas, ils restent stables. Et c'est la seule chose qu'il faut retenir, d'une certaine manière. Les impôts des Verneuiliens, je suis désolé, sur la commune de Verneuil, ça n'augmente pas. Et je ne suis pas responsable ni de l'État, ni de GPSO. C'est comme l'année dernière, vous me disiez, oui, ça augmente. Oui, j'avais voté, je n'avais pas voté pour. Ce n'était pas moi qui avais voté pour. Et puis, encore une fois,
pour répondre à votre question. Vous n'avez pas voté contre non plus. Oui, mais je me suis expliqué. Si je puis me permettre. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez, qu'on n'ait pas les travaux sur les poléoles? A priori, on ne les a pas pour l'instant. Ah bah sur les clairières, ça commence dès juin, vous inquiétez pas, on fera l'inauguration ensemble si vous voulez. Hein. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors ce n'est pas une question, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de hausse d'impôts parce qu'il n'y a pas la hausse de la taxe. Il y a une hausse nominale, et la hausse nominale est une hausse. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de hausse. Quand je paye 7% de plus, c'est 7% de plus, c'est pas en moins, c'est pas la même chose, et pour personne. Vous avez raison. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de hausse. Il n'y a pas de hausse du taux, vous l'avez dit 10 fois, 20 fois sur Facebook, mais il y a une hausse du montant de l'impôt à payer. Et c'est clair. Vous avez raison, mais cette hausse, elle ne dépend pas de moi, de la même manière qu'elle est calquée sur l'inflation qui ne dépend pas de moi. Non, mais si vous voulez dire qu'il n'y a pas de hausse, vous répercutez le taux de la même hausse, donc moins 7,1%, chose d'ailleurs que le CIVUCOP est en train de faire parce qu'il y a eu des choses, une baisse, enfin voilà, mais que vous ne faites pas, vous, au niveau de la mairie de Verneuil. Ben, si je puis me permettre, il y a une réalité, donc, c'est parce que vous parlez en pourcentage. Je pense que pour les Verneuiliens, il faut répondre, il faut vraiment être concret. C'est un montant. Oui, ben, je vais vous donner le montant. Est-ce que vous le savez, le montant, on dit 7%, c'est quoi 7% à Verneuil? Le montant à Verneuil, ce n'est pas quelque chose de neutre. On est sur quasiment 800 000 euros, quasiment 1 million d'euros. Alors, bien entendu, on aurait très bien pu dire qu'on va le compenser. Moi, je n'ai rien contre compenser. Mais de l'autre côté, qui est-ce qui compense l'augmentation des différents prestataires? Parce que sur les chantiers, il y a des hausses. Sur la cantine, on l'évoquait tout à l'heure. Sur les embauches, parce que quand on embauche, certes, mais aussi à partir du moment où on a du personnel existant, ben, il y a les points d'indice 3,5 chaque année. Je suis pas, d'accord avec vous. Je ne conteste mais pas des choses. Les fluides, le gaz, l'électricité. Je ne conteste pas qu'il y a des hausses de dépenses qui sont liées à l'inflation et à d'autres. Enfin, à l'inflation. Et sur plein de choses, 20% pour la cantine, et d'ailleurs, on va avoir une augmentation de 7%, je crois, ou quelque chose comme ça, sur les prix de la cantine, avec une hausse de la mairie de 20%. Mais je dis juste qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de hausse, il y en a une. Vous la justifiez comme vous voulez, mais il y en a une. Et vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. C'est juste ça. Et c'est la transparence que vous devez aux Verneuiliens en disant, oui, il y a une hausse, pour beaucoup... Et d'ailleurs, beaucoup d'employeurs ne peuvent pas suivre cette hausse de l'inflation. Et pour eux, c'est une vraie... Bien sûr. Et ce n'est pas 7,1% qu'ils ont la poche. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Moi, je réserve mes questions et mes remarques pour dans 3 semaines. J'ai juste une remarque de fond, en fait. J'ai pu m'exprimer ici et là, là-dessus. Ce qui peut être reproché à la mairie, pour une fois, monsieur le maire, c'est pas vous que je cible, hein, mais ce qui peut être reproché à la mairie, c'est cette surutilisation de la communication pour travestir la réalité. Voilà. Moi, bon, vous pouvez dire, tu peux me faire confiance, sur parole, etc. Bon, je suis un vieux briscard, donc faut pas me prendre pour un idiot non plus. Il y a une surcommunication, on travestit la réalité. Alors effectivement, ceux qui veulent s'intéresser à ces messages, qui disent « Ah, génial et tout », non, la réalité, c'est ce qui a été évoqué. Non, il n'y a pas de hausse du taux communal, l'assiette augmente, donc l'impôt augmente. Point barre, c'est mathématique, d'accord? Bon. La deuxième chose, moi c'est quelque chose que je regrette. Alors une fois de plus, Paul Malray, avec qui je m'entends plutôt bien d'ailleurs, au demeurant, me dira « Ouais, non, mais non, tu confonds le privé et le public. » Non, moi je ne confonds pas le privé et le public. Non, c'est autre chose. Quand ça ne marche pas dans le privé, d'accord, on prend des décisions radicales. Alors, je ne sais pas si au niveau des communes, ça peut exister, mais au niveau... Laissez-moi finir. Non, mais... Merci. Mais au niveau... alors, pour ceux qui ont plus de 50 ans comme moi, donc ce n'est pas le cas de Fabien, on a souvent parlé, pour ceux qui s'intéressent à l'actualité politique depuis des années, des plans d'austérité. Des plans d'austérité. Est-ce qu'aujourd'hui... Alors, moi, je me souviens d'un débat qu'on avait eu en bureau municipal, c'était ici d'ailleurs, il y a quelques temps, où finalement, c'était d'ailleurs le premier exercice sur le budget qui était fait, et c'était Paul qui... je suppose que c'est un peu Fabien qui tenait le crayon, mais c'est Paul qui restituait, et qui disait, donc en gros, c'est soit la hausse des impôts, soit la chasse aux subventions... Laissez-moi finir. Soit la hausse des impôts, soit la chasse aux subventions, soit... c'était quoi? Enfin, un truc... Bon.
Et moi, j'avais dit, vous oubliez quand même la quatrième essentielle, la maîtrise des dépenses. C'est la première fois, aujourd'hui, en 3 ans, que j'entends la municipalité actuelle parler de la maîtrise des dépenses. Première fois. Première fois. Et alors, si je puis me permettre sur ce sujet-là, sur la maîtrise des dépenses, on ne va pas se cacher, parce que je l'avais dit dès la première année, je pense que quelque chose, pour le coup, on arrivera à être tous d'accord. Les dépenses étaient relativement maîtrisées avant notre arrivée. Le problème, c'est que les services étaient à l'os, ce qui était un problème social, mais pas un problème financier. Les services aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on les réorganise pour éviter d'augmenter les impôts. Parce que, disons les choses comme elles le sont, la non-augmentation d'impôts locaux du taux à Verneuil, c'est un petit miracle fait par les services, service par service, où on a été gratté pour vérifier qu'on n'allait pas dépasser. Mais vous le savez, aujourd'hui, ce travail-là, qui est en fait dans la continuité des années précédentes, parce qu'on avait déjà commencé à le faire, ça ne va que continuer si on arrive à s'appuyer sur les subventions, sur le sponsoring, sur différentes choses importantes. Mais par contre, me dire qu'on n'a jamais fait des économies avant, non, ce n'est pas vrai. Nous avons heureusement fait ce travail, même avec vous, il fut un temps. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça une fois de plus. Arrêtez de travestir les paroles de vos interlocuteurs. Je n'ai jamais dit ça, d'accord ? J'ai juste dit que c'est la première fois. Alors peut-être que la mémoire, moi j'ai 53 ans à la fin d'année, donc peut-être que ma mémoire me joue déjà des tours. Laisse-moi finir. Mais je dis, c'est la première fois que j'entends ça, primo. Et la deuxième chose, parce que c'est toujours cette... vous avez fait le CELSA, qui est une école prestigieuse de communication. Mais moi, j'ai une question vraiment alors qui me taraude là, depuis que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi la fin de l'abondance pour Verneuil-sur-Seine, pour les Verneuils? Alors, non, attendez, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Alors, votre mentor, Emmanuel Macron, a utilisé ça. D'ailleurs, il a emprunté ça à Sarko, qui l'avait emprunté certainement à d'autres personnes. Donc, la fin de l'abondance, c'est un truc qui revient d'année récurrente en politique. Hein. Mais vous vous appropriez de cette fin de l'abondance. C'est quoi la fin de l'abondance? Est-ce que c'est le trésor de guerre qu'avait laissé la municipalité précédente? Paul, le vrai truc intéressant que Paul a dit aujourd'hui, enfin, qui, en tout cas, moi, m'a sauté aux yeux, c'est moins 1, plus 1, ça fait moins 1. D'accord? Non, mais c'est vrai. Mais je suis super factuel. Ouais. Je suis pas en train de vous envoyer des pics, c'est pas mon objet. On est en train de débattre. Et voilà, on sait que la situation est critique. Moi, honnêtement. Covid, Ukraine ont bon dos à tous les niveaux, d'accord. Il y a d'autres économies mondiales qui ne mettent pas en exergue les problèmes de Covid ni de l'Ukraine. Hein. La Mais Floride, si, par exemple, si je puis me permettre pour vous répondre. Depuis le début, ce que j'entends, c'est vos prédécesseurs vous ont laissé plein d'argent et vous êtes mauvais gestionnaire et du coup vous capitalisez sur ce qu'il reste. Moi, je fais la somme de ce qu'il restait dans la caisse soi-disant et surtout de tout ce qu'on avait comme contrainte imposée. Parce que moi, je veux bien entendre qu'on nous a laissé des millions d'euros, mais si je récapitule le pacte fiscal, oui, il y avait l'argent dans la caisse, il a fallu le payer tout de suite, c'est pas moi qui ai décidé. Ce qu'on devait au CIRTEC, il y avait des ardoises non réglées. Ce qu'on devait également, parce que la justice nous a finalement montré le chemin pour les terrains achetés via l'EPFIF, mais n'empêche pour la ville, sur la pointe de Verneuil, bref. Je veux bien entendre qu'on avait beaucoup d'argent et qu'en fait, c'est nous qui grignotons. Mais la réalité, c'est que l'argent était mal affiché, puisqu'en fait, cet argent n'existait pas. Il était masqué sur des dépenses qui étaient obligatoires. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous capitalisons sur une politique quand même qui n'est pas mauvaise, puisque quand je regarde au final, à vous écouter, en fait, notre endettement, il n'est pas mauvais. On a des possibilités qui sont plutôt très bonnes. On a des effets de levier qui sont plutôt excellents et qui d'ailleurs rejoignent ce que vous-même avez pu défendre à un moment. Et puis, on n'a pas de report excédentaire hérité, je me permets de le préciser. Aujourd'hui, je crois que c'est 2,6 millions. Je n'ai rien à me reprocher sur cette logique-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Oui, Christian. Oui, moi, je me réjouis quand même de voir qu'on a budgété 300 000 euros sur plusieurs années. Alors, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux personnes en fauteuil roulant, je vous rassure. C'est d'abord une obligation réglementaire, dans premier lieu, et dans un second temps, de l'accessibilité, de la qualité d'usage pour tout le monde. Voilà, ça c'est important. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est... les années précédentes, on avait budgété l'équivalent de 50 000 euros à peu près. C'est qu'en fait, ces 50 000 euros qu'on avait budgété, j'aimerais bien savoir ce qu'on a fait avec et comme accessibilité jusqu'à aujourd'hui. Et je demande aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire des 300 000 euros par année? Parce que ça m'intéresse vraiment.
Je sais qu'il y a des réels besoins. Oui. Voilà. Et la deuxième chose, et après j'en aurai terminé, c'est que je pense qu'au-delà des bâtiments publics, pour lesquels on voit qu'il y a toute l'énergie qu'il faut pour les mettre en accessibilité, et ça, je pense qu'on peut s'en féliciter, je pense qu'il y a, un réel besoin de ménager les commerçants en les accompagnant pour la mise en accessibilité de leur commerce et de raccorder tout ça à la voirie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la voirie, elle est, quand je parle de voirie, je parle de circulation piétonne, hein, voilà, n'est pas du tout raccord avec les commerces de la ville de Verneuil. C'est pas que Verneuil, hein, c'est toutes les villes qui sont comme ça, mais on ne peut pas détacher ces sujets-là, et c'est pour ça que je pense que les commerçants, ils ont besoin à la fois d'être accompagnés, et puis que la mairie, de son côté aussi, elle fasse le raccord au niveau de la voirie, entre le commerçant et le trottoir, bien sûr. Voilà. Merci. Je suis complètement d'accord avec vous sur le deuxième point, j'abonde à 100%. Sur le premier point, je n'ai pas évidemment tout en tête, mais je peux en citer quand même quelques-uns de mémoire. À minima, le Grand Colombier qui a été équipé. Et puis, je sais que sur Béjart, il y avait eu des équipements complémentaires. On pourra regarder en commission accessibilité. De toute manière, l'objet de la prochaine commission d'accessibilité, c'est Abder qui la présidera, et vous y êtes évidemment invité puisque vous en êtes membre, ça sera de justement faire ce fléchage sur les différents projets que vous jugerez les plus urgents. Je crois que ça sera fait avec les services techniques. Il y a des recommandations de la préfecture, je vous laisserai voir ensemble. Je n'interviendrai pas. De toute manière, l'objectif à terme, c'est que tout soit fait. Et du coup, la priorisation, je laisserai la commission trancher. 12 avril. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur le sujet ? Oui. Une position de groupe que je vais vous lire. Mais pour revenir dans le passé, je vous invite à vous plonger dans les archives de l'AMF et de différents organismes qui représentent les élus pour vous rappeler que depuis les années 2010, les collectivités ont été malmenées, notamment pour ce qui concerne les dotations. Alors, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas le Covid, mais vous pouvez pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur, oui, on a eu des choix à faire. Ça n'a pas été facile. Et de prendre des positions, notamment parfois sur des renouvellements de postes. Après, votre bilan, enfin, en tout cas ce que vous dites, qu'aujourd'hui, qu'on vous a quand même laissé un héritage pas si brillant que ça, je trouve que c'est un peu gonflé, mais enfin, après, c'est votre discours, hein, vous pouvez le tenir. Parce que mais je ne débat pas, oui, enfin, si, quand même, un peu. Mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé avant, c'était pas plus simple qu'aujourd'hui. J'ai pas dit que c'était plus simple avant. Ouais, mais vous avez dit que c'était. J'ai dit que c'était particulièrement compliqué depuis le Covid et la guerre en Ukraine. J'ai pas dit que c'était plus simple avant. Ouais, enfin, vous jouez avec les mots. Je vais vous donc donner la position de notre groupe, évidemment. Hein. Ce soir, vous nous présentez votre rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Il s'agit donc ici pour votre majorité du troisième exercice du genre après l'Europe de 2021 et 2022. Et cette troisième édition est assez révélatrice. Elle est révélatrice d'une situation financière qui se complique, bien entendu, étant donné le contexte international, économique et financier du moment que vous avez pu exposer durant votre présentation. Révélatrice aussi par l'impact des choix que vous avez été amené à faire. Si en termes d'investissement, certaines dépenses, certes parfois onéreuses à notre goût, favorisent l'anticipation des défis climatiques qui nous attendent, on parlait d'aménagement d'espaces naturels, de végétalisation de cours d'école, ou encore de recherche d'alternatives à la fourniture d'électricité, c'est un petit peu votre projet sur le photovoltaïque, ou encore la volonté évidemment affichée de répondre aux problématiques d'accessibilité chères à notre colistier qui vient de s'exprimer, Christian Lelièvre, qui vous a d'ailleurs, dès le début de votre mandat, promptement invité à vous mobiliser sur ce sujet. On peut être content qu'aujourd'hui ce soit le cas. Et je le félicite. Et voilà, et Christian sera, je pense, très attentif à ces 300 000 euros annuels d'investissement et ce qu'il en sera fait. Des points donc sur lesquels nous pouvons nous rejoindre, d'autres paraissent par contre en ces périodes difficiles risquées, de par notamment leur futur coût de fonctionnement, notamment quand on crée des équipements. On peut citer la maison des médecins non subventionnés, dont le coût nous paraît en tout cas sous-estimé en termes d'investissement, maison de famille, maison des opportunités, etc. Nous partageons bien entendu des ambitions que vous affichez, la sécurité pour tous, partout et tout le temps, la préservation d'un cadre de vie appréciable et apprécié de tous, une ville attractive, une ville moderne qui se rénove pour le bien-être de chacun de ses habitants. Une jeunesse heureuse de vivre dans sa ville. Des sportifs qui pratiquent leurs activités avec passion, dans des lieux pensés pour eux. Une ville accessible pour chacune et chacun. Ce qui nous sépare, bien entendu, ce sont parfois les choix qui sont faits pour y parvenir. Notre inquiétude est, et elle s'est exprimée là, et elle reste, celle du budget de fonctionnement de la collectivité. Le contexte national, notamment, avait amené vos prédécesseurs à la prudence.
pour garantir par la suite aux futurs élus de retrouver une situation financière saine. Et en tout cas, je considère qu'elle l'était. Vous convenez vous-même, dans votre robe, que la situation est, comme depuis le début de ce mandat, compliquée. Et je vous cite, rend tout pronostic particulièrement hasardeux, sauf si c'est pour en conclure qu'ils vont inévitablement et significativement peser sur la marge brute d'autofinancement, donc en 2023, et on le voit dans vos tableaux. Alors, comment ne pas s'inquiéter aujourd'hui de la politique que vous persistez à mener et qui concourt inexorablement à affaiblir le budget de fonctionnement et nos marges de manœuvre ? Une prévision pour 2023 de dépenses nouvelles, si l'on a bien compris l'Europe, hein, non couverte par les recettes nouvelles, hors incertitude d'obtention de subventions, pardon, dotations et des MTO, etc. Vous évoquez vous-même 2 millions de recettes, 1 million, 2 millions de dépenses, 1 million de recettes. Maintien de la politique d'embauche massive dans les services, par exemple, création, je l'ai découvert il y a peu, de 2 postes de directeur adjoint, d'un responsable de CSU dont on ne sait pas finalement si c'est le Civucop qui va le payer ou pas. En tout cas, il est embauché aujourd'hui par Verneuil. Une masse salariale donc qui croît de vos propres grés en y ajoutant les effets conjoncturels, GVT, point d'indice. L'indemnité des élus, bon, c'est un petit symbole ça, mais l'indemnité des élus qui augmente quand même de 23 000 euros sur 2023, on pourrait peut-être revoter, ah ben c'est écrit, hein, on pourrait peut-être revoter le montant des indemnités des élus, puisqu'elles sont 170 000 euros 2022, 193 2023, je n'entends rien. C'est dans votre document. C'est pas nous qui l'augmentons. Ah oui, ben on peut la baisser. C'est automatique. Une... Eh ben revotons une délibération pour la baisser. Moi j'ai pas de problème, le seul problème c'est que ça marche pas comme ça. Mais c'est pas ah bon, bah écoutez, je suis un peu surpris. Le choix politique de mener à mal la transformation des bords de Seine, dont vous parliez tout à l'heure, d'un projet bénéfique pour la commune en termes d'attractivité et de recettes à un espace pollué, et abandonné à un coût de 1,2 million d'euros. Malgré votre engagement que cela ne coûterait pas un centime à la ville, c'est votre choix politique. C'est votre choix c'était politique. Pas c'était pas légal. C'est votre choix ben non, politique. C'est pas légal. Le droit, c'est pas pour ce qui concerne, pour ce qui concerne la hausse des recettes, vous prenez depuis votre arrivée les bienfaits de la venue d'activités économiques sur le territoire communal, pour ensuite d'ailleurs, à notre plus grande surprise, proposer de délocaliser la cinquantaine d'entreprises présentes sur la ville dans une ZAC quatrième. Le courrier que vous avez co-signé avec M. Aoun, à la présidente de la communauté urbaine, il y a quelque temps. Dans le même temps, dans ce robe, vous acquiescez la disparition progressive des recettes qui auraient pu en être retirées. Disparition de la CVAE, abaissement de la CFT, etc. Recettes d'ailleurs au bénéfice de la CU. Convenons donc que ces nouvelles activités ne feront pas baisser pour autant la fiscalité des propriétaires vernoliens qui a augmenté, on l'a dit tout à l'heure. Le leitmotiv de votre dernière vidéo très solennelle, le taux communal de taxes foncières n'augmente pas. Certes, c'est vrai. Mais la contribution des Vernoliens propriétaires, oui, avec le choix du gouvernement, là je fais un peu de politique que vous soutenez, d'augmenter les bases de 7,1%. Donc les impôts augmentent, il y aura bien une augmentation. Alors c'est pas vous, vous me direz. Dans cette vidéo, vous indiquez aussi que pour la troisième année consécutive, ces taux n'augmentent pas. Si votre phrase est prudemment tournée, elle occulte une partie de la réalité. Ces taux n'ont pas augmenté depuis 2002. Vous m'entendez ? C'est des connes. Vous oubliez en revanche de mentionner l'importante augmentation, là je vais fâcher M. Debjet, mais je l'aime bien, donc il ne faut pas s'énerver, l'augmentation de la fiscalité liée au Civucop pour déployer plus d'une centaine de caméras sur la commune, pour un coût non négligeable, avec pour cadeau final la vidéo-verbalisation, comme si les Vernoliens ne souffraient pas déjà assez de la pluie d'amendes de stationnement ces derniers mois. Votre serviteur y a également eu droit. Hein. On n'a pas le temps de partir au travail, qu'on se prend déjà une prune à Verneuil maintenant. Vous oubliez de mentionner les forfaits résidentiels de stationnement d'un coût prohibitif de presque 300 euros par foyer pour 2 véhicules. Oh, bah, ça vous fait rire, pas moi. 300 balles pour se garer dans sa rue, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. On aurait pu travailler le sujet différemment. Et je l'ai dit à plusieurs reprises et je maintiens. Et je pense que même si l'idée est bonne, elle est chère. Hein. Ajoutons à cela les hausses supplémentaires parallèles, taxes foncières de la CU. Hein, pour le coup, on en avait parlé, la TOM, les taxes diverses, etc. Dans les faits, les impôts des Vernoliens augmentent. D'ailleurs, ils vous l'écrivent sur les réseaux sociaux, ils commencent à dire « Attends, le maire, il dit ça augmente pas, sauf que moi, ça augmente. Hein. » Mais ce n'est certainement pas de votre faute, effectivement, vous l'avez dit. Enfin, n'oublions pas les tarifs municipaux. Ah, vous allez me dire, je dis une bêtise. Hein. Certes, la ville a pris à son compte l'augmentation du coût des cantines en 2022, un choix qui s'entend. Mais en 2023, les tarifs, y compris dans la cantine, augmenteront. C'est un montant minimum mais indispensable pour ne pas appauvrir durablement et structurellement le budget de la commune, déclarez-vous dans l'Europe. Cependant, si la structure de votre budget de fonctionnement avait été travaillée différemment depuis 2020, peut-être auriez-vous pu ménager le portefeuille de tous les Vernoliens pour cette année 2023 en limitant cette hausse, dont nous avons, on n'a même pas réussi à la chiffrer d'ailleurs, si on a chiffré, ça me paraît un peu haut quand même, je ne vais pas être méchant, je vais me faire gronder si je dis un mauvais chiffre. À nouveau donc, cette année, nous vous alertons sur la trajectoire budgétaire que vous menez.
non pas pour dire qu'il ne faut rien faire, loin de là, ni pour paraître comme ceux qui râlent tout le temps, et s'opposent par principe. Pour rappel, notre groupe a, je le rappelle, voté favorablement de nombreuses délibérations depuis le début du mandat, dès lors qu'elles allaient dans le sens de l'intérêt général. Non pas encore pour être catalogué de bon père de famille, ce qui vous aurait pilé en 2020, mais parce que le temps est à la prudence, tant les incertitudes sont nombreuses. Cette alerte, nous l'avons déjà donnée dès votre arrivée, mais vous avez souhaité rompre avec la prudence observée par vos prédécesseurs pour vous démarquer. Les chiffres nous montrent aujourd'hui que si le péril n'est pas en la demeure, il est à son seuil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Une fois, deux fois. Je vous laisse le mot de la fin et je vous propose par conséquent de voter, puisqu'il faut prendre acte du fait que nous avons eu ce débat d'orientation budgétaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour vous dire qu'on prend acte du fait que nous avons eu des débats budgétaires. S'il y a des oppositions, manifestez-vous. Abstention de même. Et je vous donne donc rendez-vous le 11 avril prochain pour le vote du budget. Sur cela, je clôt la séance, mais il y a des questions, je pense, Pardon, il y avait quelques questions peut-être sur les décisions d'abord. Pas de questions. Mais du coup, je permets de clôturer la séance et je crois qu'il y a des questions à ma gauche et peut-être après en face. Je vous en prie, Julien. Je reprends la parole, après je vous laisse parler. Deux sujets. Monsieur Debjet m'a répondu sur la... J'ai été saisi par des riverains sur le quartier des Gros Chênes, puisqu'effectivement, des amendes ont été mises sur les véhicules, sachant que les panneaux ont été mis en place, mais pas le marquage au sol. Bon, j'ai échangé avec monsieur Debjet, qui m'a apporté la réponse, donc je la transférerai à qui de droit. Donc ça, là-dessus, je repose pas la question. Deuxième chose, le 19 mars, j'étais avec Christian à la cérémonie... donc le 19 mars, bien nommé. Je crois qu'Albert Potier, le président de la FNACA, arrête ses activités. Alors, si je puis me permettre,